この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。Bonjour à tous et bienvenue pour Soumis ma scène turbo épisode numéro 2. Et bien oui, ça y est, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour en brofist. Ouais, c'est dans le bingo de Soumis ma scène turbo, parce qu'il y a des bingos pour Soumis ma scène turbo. Par la turbo commu, tel qu'on l'appelle. Bref, tout ça pour dire qu'on est ravis de se retrouver en plateau. On a un sommaire absolument lourd, chargé d'émotions aussi, puisqu'on va forcément évoquer la disparition de Leiji Matsumoto. Voilà, le père d'Albator nous a quittés. Vous êtes forcément au courant si vous êtes suivi Soumis ma scène turbo, l'émission dédiée à la pop culture japonaise et aux jeux vidéo. On parlera également de jeux aussi, puisque le mois de février était extrêmement chargé. Il a fallu faire des choix, des arbitrages, comme on aime à le dire, et vous verrez un petit peu tout ça lorsqu'on évoquera déjà le jeu du mois qui sera Like a Dragon Ishin et tous les autres jeux auxquels Il y a tellement de jeux. J'avais oublié que c'était le seul jeu du mois. C'est vrai, en plus, comme c'était le jeu du mi-février, là on est déjà début mars. Et qu'on n'a même pas parlé des jeux de début février. Ouais. Si on avait deux émissions par mois, mais on pourrait pas. C'est vrai que c'est parfois assez difficile de se réunir. D'ailleurs, quand on se réunit, on en profite, on tourne d'autres émissions. On va donner des nouvelles du Patreon. Parce que oui, Soumis ma scène combo, qui faisait partie, qui était le premier palier du Patreon, de patreon.com/soumis ma scène, comme on aime à le dire dans l'intimité, eh bien, on a déverrouillé ce palier de let's play. Et les let's play sont arrivés. Et on en enchaîne, on a tourné un petit paquet et il y en a qui arrivent. Et comme ça, les semaines où il n'y a pas de Soumis ma scène turbo, et ben vous avez quand même une expérience de gameplay. Et ce qui est intéressant, c'est les combos, puisqu'on ne va pas les teaser, mais on en a quand même fait un avec Greg sur un jeu improbable et on s'est vraiment bien marré. Et puis bientôt, une fois qu'on aura quitté un peu cette période de février-mars qui est très 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 chargée niveau sortie, on va pouvoir faire des trucs rétro, des jeux où on fait caca dans vos toilettes, là, comme tu aimes, puisque tu animes le compte Twitter Soumis ma scène turbo. Et je tiens à dire qu'on voit beaucoup passer de tweets sur les jeux qui impliquent du PQ, qui impliquent des toilettes. Il y a quand même une thématique chez toi, quand même. Non, mais c'est malheureux parce qu'il y a deux jeux un petit peu dans cette thématique qui sont suivis. Il faut en parler. Je ne peux pas les ignorer. On peut dire une thématique. Simulation game. Voilà, exactement. Bon, tout ça pour vous dire qu'on vous laisse pas orphelin entre deux Soumis ma scène turbo. On a décidé d'occuper un petit peu le terrain aussi, parce qu'il y a le soutien des patriotes, c'est important. Et en plus, il y a cette émission qui est disponible en version Director's Cut. Ouais. Vous aurez vu, normalement, si les gens qui sont abonnés à la version Director's Cut, vous avez vu le making of du générique réalisé par Alex Pilote et Hubert Petit. Hubert qui est, rassurez-vous, et qui est nourri blanchi derrière. Et il va très bien. Surtout nourri. Alors franchement, L'image saute, Hubert, bravo. Ouais, il y a toujours mauvais matos, Hubert. Il nous avait dit qu'il y avait un bug et je ne pensais pas. Mais au moins, il ne fait pas le robot. Ah, c'est le pass plugin de YouTube. Vraiment. Un bug par épisode. Peut-être que la prochaine fois, ce sera réglé. C'est pour ça. Donc on ne va pas trop te montrer, Hubert. Aidez Hubert, souscrivez au Patreon, comme on dit. Il faut le dire aussi, on a un projet pour Hubert qui arrive. On peut teaser. Je crois qu'Hubert n'a pas une très grande résistance à la peur. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Voilà, point final. C'est tout ce que je dirais. D'ici là. Mais je crois qu'il s'est porté volontaire pour jouer à un jeu japonais qui fait peur et qui sort. Bon, plus sérieusement, on remercie tous les soutiens du Patreon et la visibilité sur YouTube qui dépasse absolument toutes nos attentes. Je me suis dit, quand on fait des émissions de 5 heures, il faut s'y reprendre à 10 fois, donc forcément, ça fait 10 fois plus de vues. Mais peut-être qu'on a été habile là-dessus. Mais en tout cas, on est ravis de voir qu'il y a vraiment un soutien de la communauté, que ce soit pour les combos, que ce soit pour les turbos. Ça fait extrêmement plaisir. On s'attendait pas au moins à ça, quoi. Et là, c'est notre deuxième émission, donc on sait où on va.
Et cette fois, il n'y a pas de générique à tourner déjà. On sait à quoi ressemble l'émission finale. Et on est ravis d'abord à la fois d'être une équipe soudée, d'avoir Hubert avec nous. Et puis aussi de vous proposer des sommaires. À chaque fois, on regarde le sommaire. On se dit, mais enfin, ça va durer 3 heures l'émission, c'est pas possible. Oh ben là, non, là on va faire synthétique, hein, on a l'habitude maintenant. Hein. Tu parles. Faisons court. Bon, vous aurez vu aussi que le plateau a été légèrement agrémenté. Voilà, il y a eu des petits investissements. On a investi dans une petite figurine. On expliquera un peu notre. Magnifique vidéo. PLV quand même. PLV d'époque, vintage. Ouais. Je l'avais acheté et je l'avais. Copyright 2000. Ouais. J'avais acheté et alors j'avais un petit frais de port et je l'ai fait envoyer chez ma mère. J'ai découvert et puis je l'ai foutu dans une cave et je me suis dit qu'est-ce que je vais foutre de cette PLV et ben voilà 23 ans plus tard boum elle nous sert. Capcom versus SNK sur Dreamcast hein, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, mais bon c'est voilà Shinkiro, c'était le grand défi de l'époque, l'instant qu'on souhaitait. En fait ce qui était intéressant c'est que tu avais donc Kinu Nishimura qui était la dessinatrice à résidence de chez Capcom, qui donc... Parle dans le micro, Pardon, ah oui, j'oublie que je ne suis pas... voilà. Donc, Kinu Nishimura, qui était donc la dessinatrice résidente de Capcom, qui dessine donc Kyo Kusanagi, et l'illustrateur vedette de SNK, qui se fait un Ryu, et comme qui ça... Qui désormais travaille voilà. Chez Capcom. C'est ça qui est drôle, ouais, c'est qu'il a été exfiltré depuis les années noires de Capcom. Voilà. Shinkiro, vous voyez Shinkiro. Évidemment le diorama Dragon Quest V de notre ami Dioramax, c'est vrai. Alias Gaijinmo sur Twitter. Toujours aussi talentueux. Ouais. Ah, et je le vois, je fais waouh, c'est à chaque fois. C'est... Une commande. Le gars ou ses œuvres ? Ses œuvres, ses œuvres. Ah, une commande qui m'a. C'est un cadeau en fait. C'est même pas. Ah oui. C'est, ouais, c'est même pas une commande que j'ai faite. Il me l'a offert. Tu lui as pas dit, ouais, je fais moi un DQ5 ? Bah, il si, t'a dit, ouais. À partir du moment où il s'est proposé, je lui ai dit, ouais, je fais moi un DQ5. Mais il a fait un DQ5. Ah, t'as choisi quand même. Ah, ce bah que il tu m'a dit, vas-y, ouais. Fais-moi, demande-moi ce que tu veux, je te le fais. Demande ce que tu veux. Incroyable. Ouais. Ça marche pas avec tout le monde, malheureusement. Arrivez pas dans ces DM en disant, ouais, je fais moi un DQ5 parce que là, vous allez. T'as pas demandé. Je voudrais une Dacia et hop, t'as une Dacia. Et hop, la Dacia. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Enfin voilà, on essaie un petit peu de mettre un petit peu plus de vie dans ce décor. On a lu vos commentaires aussi. Au fur et à mesure, oui, on lit les commentaires. Et on... Ah, parce que dans les commentaires, les gens, ils ont dit que la table était vide. Non, 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 oui, pas spécialement. Ils ont dit la table, elle prend de la place. Elle prend de la place, ah, mais... Bon, mais c'est trop stable. Dessus, quoi. Mais globalement, en tout cas, ils ont tous témoigné de l'originalité de ce concept de trois amis... de plus de 30 ans, même, de trois amis de 30 ans qui débattent autour d'une table pour parler à la fois de jeux vidéo et de pop culture japonaise. Un concept inédit qu'on ferait bien d'enregistrer à la SACEM. Qu'on a déposé. Voilà. Ouais, qu'on a déposé à la SACEM, comme les génériques d'ailleurs de Sumimasen Turbo. Sumimasen Combo à son générique. On remercie à nouveau la famille. Voilà. Mais littéralement si, la famille. Sans un coup. Midi Music alias Lionel Droz, lui aussi sur Twitter, qui s'est fendu et qui se fend aussi des vignettes. Hein. Toutes les vignettes d'ailleurs, il a réarrangé les vignettes. Je sais pas si vous êtes repassé sur le compte YouTube. Il a changé les vignettes. Il y a des petits détails supplémentaires. Non, mais c'est un homme de détails. Il est très. Il est méticuleux. Je crois que vous avez ça dans le sang. Ah bah, alors... Mais faut vous dire un truc, c'est que Puyo, il m'a vu jouer à Power Wash Simulator et il était ulcéré. Parce que tu sais, genre, il était pris genre de PLS. J'aurais dit, mais comment tu peux aller de l'un à l'autre sans finir les trucs, les petits détails, alors que toi, tu serais du genre à le moindre pixel qui brille. Au paint fin. Toi, ouais, toi, t'es un homme au paint fin. Moi, pas du tout. Moi, je suis plus artistique. Ça se voit pas. Ouais. Léger. Si le cadre est droit, enfin, si tous les cadres sont droits là sur la table, c'est que voilà, je suis passé. Tu as suivi la ligne directrice. C'est de important. La table, ouais. Et feng shui. Je suis un petit peu frustré là. Un peu feng shui. C'est pas grave. Est-ce que tu alignes tes petits pois avant de les manger ? Non, quand même pas. Il y a des gens qui font ça. Mais non, lui, il mange pas de petits pois. Par contre, les couverts sont alignés. S'il y en a un qui. Ouais, un peu, alors il mange pas grave. Les petits pois le jour père, par contre, faut le savoir. Si, si, moi, chez, à l'époque de Joystick, Ghana, le responsable, tout ce qui était développement web et tout ça, il compartimentait toute la nourriture dans son assiette. Il fallait pas que les aliments se touchent. Alors, il les mangeait en même temps, si tu veux. Dans sa bouche, il mélangeait, tu vois. Il mangeait légumes et viande et tout en même temps, mais il fallait pas que ça se touche. Il y avait des no-go zones. Voilà, des... c'est ça, exactement. Mais il fallait que ça soit bien, bien rangé dans l'assiette, quoi. C'est marrant. Et qu'est-ce qui se passe si le petit pois, malencontreusement, il y a une chute de petit pois dans le cordon bleu. Comme quand toi, il y a un tableau qui est. Ah oui. qui est tu le replaces. De, voilà. Ouais, tu sais, t'es en train de parler, t'es en train de manger, il fait ah, voilà. Et dans ce petit plouf. Ce type plouf ne tient pas droit. Il ne tient pas droit et il m'embête. Mais c'est pour cacher ma canette. Attendez, je repars avec. C'est pour mon fils. Non, mais tu vois, regarde, on sait jamais. C'était le Pokédays. C'est pas mal. Maintenant. Voilà, là, on est bien. Donc, on peut reprendre le fil de cette émission. L'émission va durer 4 heures. Si on commence à. Sur TikTok, ouais, c'est exactement. On va passer à votre actu, messieurs. Puisqu'on a oublié, mais là, c'est que la troisième émission, même si c'est la numéro 2. C'est la deuxième. Oui,
la deuxième. On oublie de se représenter, les gens sur YouTube ne nous connaissent pas, ils se disent c'est quoi ces yeux là qui parlent des petits pois, on ne sait pas. C'est vrai qu'ils s'en ont rien. C'est quoi, bon duel dans la prochaine émission. Eh bien, à ma gauche, il y a d'abord Grégoire Hello, sommité légende de la presse de jeux vidéo et du manga ça en français. Ça n'existe plus, la presse de jeux vidéo, si ? Un petit peu. Ne me faites pas. Voilà, mon petit cœur a pas. Du mal encore. tout soon. Ça va, Greg ? Ouais, ça va mieux qu'en janvier. Donc, ouais. C'est, bah ouais, parce que le mois de février, j'ai pas eu trop à voyager, on va dire. Au mois de mars, ça reprend dur, mais février, c'était bien. Bon. Daniel ? Au mois de mars, j'ai. Sommité aussi, hein, autant préciser. Double sommité, on est en train de sommité. Il y a que des sommités ici. Il y a que des sommités, à part Hubert. Mais Non, mais attends, mais si. Tu rigoles. Maintenant, tout le monde, Hubert, tu dis oh, Hubert, l'homme qui n'a pas peur des Survival Aurore, tu vois. L'homme qui finit Dead Space, les yeux bandés. Ouais. Mais littéralement, parce qu'il a trop peur. Bah écoute, journaliste et auteur. Et puis voilà, comme Greg, journaliste de jeux vidéo depuis très, très, très longtemps et spécialiste du Japon. Mais aussi en ce moment, puisqu'on va parler de notre actu du moment, en ce moment, c'est le prélude des blockbusters de l'été, puisque je fais aussi, m'occupe beaucoup aussi de cinéma via mes podcasts, puisque je suis producteur de podcasts Super Ciné Battle et After Eight. En ce moment-là, c'est les blockbusters qui arrivent, donc j'ai pu voir la plupart des blockbusters qui sortent dans un mois, deux mois, donc tu vois, c'est un peu, c'est une actu très chargée, genre presque tous les jours, il y a des projos. Et il faut un peu suivre. Et c'est-à-dire qu'il y a presque eu autant de blockbusters que de jeux vidéo japonais en février dernier. Oui, c'est un peu un problème parce que tu vois, quand tu dois jouer par exemple à des jeux très longs, genre Octopath, et tu dois en plus, t'as deux projos dans la journée, bah, tu fais comment tu cales Octopath. Voilà, bah, c'est tout, il faut jongler avec, mais écoute. C'est une vie de rêve, hein, tu sais qu'il y a des gens qui seraient ravis de pouvoir jouer à Octopath Traveler toute la journée et puis d'aller à la projo le soir, hein, ouais. C'est quand même, n'oublie pas. Mais non mais attendez, faut nous plaisir. Il y a parfois des jeux qui sont beaucoup trop longs pour leur propre bien, j'ai les noms, et il y a aussi des films qui sont beaucoup trop longs pour leur propre bien, ouais. J'ai des noms aussi, et je pense aux deux mêmes là. Ben, merci pour ce tour de votre actu. Bon, moi, je prépare Soumis ma scène aussi. Hein. Voilà, c'est ça mon actu. Voilà. Et je tiens à dire, comme Greg, je suis très content d'enregistrer. J'ai marqué un gros rond rouge le jour de notre enregistrement, mais je pense déjà au suivant. Mais j'ai un tout petit peu de vacances juste avant, donc je vais pouvoir me ressourcer un peu. Je n'ai pas pris de vacances depuis très, 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 très longtemps, genre en famille et tout. Donc, je suis assez content de ça. Et vous profiterez d'ailleurs peut-être de ce mois qui nous sépare jusqu'au prochain Soumis ma scène Turbo, eh bien pour avoir des recos, d'autres recos à nous proposer, parce que c'est l'instant recos de l'émission. Est-ce qu'on ne parlait pas de ce phénomène qu'on n'a pas pu parler le mois dernier parce qu'il était presque un peu trop tôt ? C'est cette famille Asada. La famille Asada, c'est Est-ce vrai. Est-ce que tu as vu la famille Asada ? Je suis allé voir la famille Asada. Donc, alors, elle va bien ? Alhamdoulilah, ça va, pépère, t'inquiète. Comment tu as apprécier ce film qui est un peu un événement puisqu'il ne s'attendait pas à en faire autant d'entrées. Alors visiblement, il est sorti il y a 2 ans au Japon, si j'ai bien compris. Ouais, et là, il arrive avec Ninomiya de Arashi, ouais. Qui tient le rôle principal et que je trouve très bon acteur. Arashi, qui est un groupe de J-pop. Mmh. Qui a joué dans Iwo Jima de Clint Eastwood, entre autres. Et je le trouve à chaque fois très très bon. Brillant. Mais vraiment, c'est un bon comédien. Et honnêtement, j'aime bien cette nouvelle vague de cinéma japonais où les gens ne surjouent pas trop. Alors, il y a certaines scènes où ils surjouent un chouïa parce que c'est... Mais j'aime bien, j'ai apprécié ce film. Et surtout, j'aime bien le fait que je me suis fait prendre par surprise. Parce qu'au début, ça commence vraiment comme une clownerie. Si la bande-annonce vous fait croire qu'il y a 3 films en un, c'est que c'est la réalité du film. C'est qu'au bout d'un moment, le film commence à parler frontalement de ce qui s'est passé à Fukushima et surtout au tsunami. Et donc, du coup, le film prend une dramaturgie. C'est vraiment le drama type japonais. Je pense qu'il faut le voir en pensant un peu à Okolibito qui s'appelle Departures, ouais. Qui était Oscar du meilleur film étranger en 2009 ou 2010. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire un drama, tu sais que tu vas chialer. Est-ce que tu as chialé ? Non, pas spécialement. Moi, il y a un moment où j'ai chialé. Mais oui, comme tu le disais, c'est un film qui joue sur l'effet de surprise dans tous les sens du terme d'ailleurs. Il y a un écho entre le début et la fin. J'ai maudit le film en me disant « Ah, je savais que t'allais m'emmener !» Ils m'ont eu, les salauds. Non, c'était vachement bien trouvé. C'est un film qui raconte... Et surtout, ça raconte une histoire vraie, visiblement. En tout cas, inspirée de faits réels. Voilà, c'est l'histoire d'un mec qui est un bon à rien, mais qui se découvre photographe et qui décide de mettre en scène ses parents
dans de multiples pérégrinations dans leur imaginaire. Pour en faire un recueil de photos de famille. Voilà, exactement. Voilà. Mmh. Donc, maman voulait être femme de Yakuza, donc il fait une photo avec femme de Yakuza. Pardon, femme de Like a Dragon. Donc. et à un moment, père, il veut être pompier, donc il fait une recueil de photos de pompier. Et c'est vraiment... Concrétise un petit peu les rêves enfouis de sa famille. Et par ricochet, les rêves enfouis, en tout cas, cristallise les moments importants des autres personnes, voilà. Des autres familles. C'est jamais ouf comme photo, mais la démarche fait que... Elle est toujours très... Il y a toujours de l'espièglerie voilà. Et de quelque chose qui fait que ça fige voilà. En tout cas des instants de bonheur de famille en question. C'est pas... Il y a des moments où je me suis un peu fait cueillir un peu par surprise en sachant exactement où j'allais. Et comme tu le dis, après, ça prend une tournure tout à fait dramatique puisqu'il se retrouve sur le site du tsunami à essayer de... déjà à nettoyer toutes les photos. C'est dans le trailer. Mais par contre, moi, j'étais pas au courant qu'il allait avoir Tsunami. Et je vais, ah ouais, ok, ils vont là-dedans. Et ça me permet d'enchaîner, puisque sort bientôt en avril. Alors, je sais plus si c'est pas le 12 avril. Je crois que c'est le 12 avril que sort un autre film. Et alors, ça, attendez-vous, c'est le. On pourra en reparler dans le prochain. Je pense qu'on en reparlera plutôt dans le prochain, puisque le prochain tombe pile en bon moment. Mais Suzume, le prochain film de Makoto Shinkai, qui est extraordinaire. Ah ouais. Et j'ai vu des avis plus ou moins mitigés ouais, en fait. Mitigé. Il y en a qui disent c'est mieux qu'avant, d'autres qui disent c'est moins bien qu'avant. Alors moi je pense que c'est son chef-d'œuvre. Ah, d'accord. Je pense que c'est son chef-d'œuvre. Je peux resituer Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, donc réalisateur qui a commencé presque en indé, tout seul à faire tout seul tout, genre direction d'animation, photo, chara design, il faisait tout. Et au bout d'un moment, il a commencé à avoir de l'argent, il s'est mis à faire des films. Et maintenant c'est celui que la presse nous vend comme le nouveau Miyazaki. Mais c'est quoi ? C'est con de dire ça. Alors qu'il y a pas d'animaux qui parlent chez lui. C'est con de dire ça, sauf dans ce film-là, parce que d'abord il y a des animaux qui parlent. Enfin. C'est et, pour en... ça, c'est le... et ensuite, c'est vraiment celui-là où il y a vraiment une citation quasi directe de Mononoke. Et ce film-là, Suzume, parle aussi des événements qui sont déroulés au Japon il y a 10 ans. Donc vraiment, je pense qu'on est dans un shift du Japon qui accepte d'en parler. Il a fallu 10 ans et quelqu'un me faisait remarquer, assez justement, un auditeur asiatique me faisait remarquer que mais en fait, c'est l'année calendaire. Le calendrier, au bout de 12 ans, tourne. Mmh. Et en fait, c'est peut-être qu'il a fallu ces 12 ans pour qu'ensuite le Japon accepte d'en parler un peu frontalement. Et Suzume, vraiment, est un film extraordinaire. Je passe mes mots. Vraiment, ça m'a ému. C'est de l'aventure. C'est un film de famille. C'est un film sur la difficulté de la monoparentalité au Japon. Est-ce qu'il y a une chanson des Radwimps au milieu ? Il y a une chanson des Radwimps à la fin. Qui raconte l'histoire. Il y a une chanson des Radwimps à la fin. Mais je garde mes histoires. On garde ça pour la semaine prochaine. Ouais, bien sûr, une fois qu'on sera plusieurs à l'avoir. Tu l'as pas vu, Greg, toi ? Non. Moi écoute, non plus, je vous passerai les projets presse pour que vous puissiez y aller. Bah écoute, quel privilège. Voilà. Encore. Bah non, mais c'est votre travail. Bah, c'est votre travail. Et oui, Sumimasen Turbo, hein. N'hésitez pas d'ailleurs. Tu veux une petite reco ? J'ai un truc. Bah oui, une petite reco, allez. Oh, qu'est-ce que tu veux ? Oh là là, attention, un vrai gros truc là. Ah ouais, non. Bon, attends, j'ai prévu. J'en ai prévu aussi pour le Director's Cut, parce que je sais qu'on en aura trop. Hop, regarde-moi ce livre. Ah oui. Ah. Vas-y. C'est Shinji Higuchi. Ah, mais c'est le spécialiste du tokusatsu. Exactement. C'est le réalisateur de Shin Godzilla, de Shingeki no Kyojin, le film live, donc ça c'est moins bien, de Shin Ultraman, et aussi de pas mal d'autres. Il a été storyboarder de Gunbuster. Il a été réalisateur d'une partie d'Evangelion. Et c'est que des storyboards de sa main. Et donc de tous ces films-là. Et uniquement les storyboards. Fais gaffe, t'es flou. Ouais, je sais. Non, recule. Oui, recule. Voilà, plus vers ton visage. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Merci, les gars. Et on sent que... D'accord. Voilà. Donc, il y a beaucoup de Godzilla. Et c'est vraiment... Et alors, on regarde les papiers quadrillés. C'est assez intéressant parce que ça fait vraiment... Booknote, c'est un bouquin assez épais mais petit format, ce qui est inhabituel. Tu l'as trouvé dans les librairies japonaises de Paris, c'est ça ? Librairies japonaises de Paris ou alors site internet qui distribue facilement des livres japonais. Oui, c'est vrai que maintenant, grâce à... Merci Greg, t'es parfait. Et, voilà. Et c'est vraiment et voilà si vous aimez le storyboard et moi on va pas se faire striker pour ça hein. Vas-y non, vas-y pour, je t'en prie pas pour des images si vous aimez de storyboard. Les storyboards si, je pense si tu mettais les films par contre ouais. Oui. Mais voilà les storyboards il y a une expressivité du dessin, une immédiateté. Moi j'adore les storyboards de Miyazaki par exemple où tu vois vraiment l'intention première du trait, première du mouvement et parfois je trouve que le résultat est plus intéressant même que le film, et ça reprend aussi un de ses courts-métrages qu'il avait réalisé qui était le prototype de Shin Godzilla qui était un court-métrage qu'il a diffusé lors d'une expo de Hideaki Anno sur le tokusatsu, donc c'est impossible de pallier ce livre avec l'œuvre de Anno hein, évidemment, et pourquoi j'en parle maintenant c'est que mois de mars, donc au moment où sera diffusé cet épisode, eh bien il y a Shin Kamen Rider qui sort au cinéma.
Et en jeu vidéo. Au Japon. Hein, au Japon. Au Japon, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Précise bien, et parce que normal... les gars vont aller chez UGC. Voilà. Ah, putain, ah oui, pour nos publics japonais. Mais j'ai regardé les chiffres et on a un public... on est le... sur nos auditeurs, évidemment, il y a la francophonie. Et juste après la francophonie, c'est le Japon. Donc ouais, on est les francophones déjà. Voilà, exactement. On les salue comment en fait. On les salue et on leur envie Shin Kamen Rider qui devrait être diffusé en France parce que c'est Amazon qui a récupéré les droits, donc il va être diffusé, je pense, dans les mêmes conditions que le dernier film d'Evangelion, c'est-à-dire World Wild au même moment, voilà. Dernier reco ou on est bon? Non, j'ai un truc, mais ça parle fou. On le garde pour après. Ah, j'ai un truc aussi, mais je le réserve pour Greg tout à l'heure. Bref. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est pour la fin de l'épisode ou? C'est peut-être pour le director's cut, on verra. Ok, d'accord. Mais déjà, enchaînons l'épisode, on verra. Ouais, on va voir parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais quoi, okay. On n'a pas parlé de Forspoken encore. C'est vrai. Bon, eh bien, on va avancer sur notre premier sujet, le gros dossier. J'hésite à dire le Futomaki parce que voilà, c'est peut-être pas de circonstance. On va évoquer la disparition de Leiji Matsumoto avec vous, messieurs, et son importance, son influence absolument considérable sur le monde du manga japonais. Oui, vous avez forcément lu, vu ou entendu parler de la disparition de Leiji Matsumoto. C'était mi-février, à l'âge de 85 ans. Leiji Matsumoto, qui est forcément indissociable d'œuvres qui ont popularisé la culture, la pop culture japonaise en France et ailleurs. Forcément, Albator alias Captain Harlock. Forcément, Galaxy Express 999. Et évidemment, on pense à Daft Punk et à Interstellar 555. Voilà, autant d'œuvres marquantes et un personnage qui a guidé notre imaginaire à toutes et tous. Messieurs, je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec Monsieur Matsumoto d'une façon ou d'une autre. Ah bon, je l'ai rencontré une fois. Une fois aussi. Ouais. Mais c'était pas quelqu'un avec lequel je travaillais. D'accord, très bien. Non plus, mais cadre de festival et par contre adorable vieux monsieur et tout parce qu'il était. On l'a toujours connu vieux en fait, mais oui, c'est sûr. Bah oui, comme son âge l'indique. Mais il était toujours adorable et surtout c'est quelqu'un dont l'œuvre parlait pour lui en fait. Parce que ça fait partie des derniers grands en fait, et surtout quand je dis dernier grand aussi dernier vieux, parce que c'est un auteur qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui l'a connu dans son souvenir d'enfant, et ça a un impact majeur sur tous ces auteurs de l'époque et sur toutes ses œuvres aussi. Oui. Voilà, il a été le témoin de tout cela parce que je crois qu'il est né à Fukuoka, c'est ça? Oui, il est né à Fukuoka en 1938, donc vraiment tu vois tout de suite les gens qui ont connu aussi la famine, hein, d'après-guerre, c'est vraiment pour ceux qui l'ont. Voilà, c'est vraiment la génération de mon père, hein, donc je vois exactement le ressenti de l'époque. Et en plus d'un pays qui a été à la fois belliqueux et aussi criminel de guerre et aussi victime de la bombe atomique, donc c'est quelque chose qui se reflète énormément dans son œuvre. Et quand elle nous arrive, nous, elle nous arrive par la porte d'Albator, mais il a déjà une œuvre très très riche. Puisqu'il a fait aussi Ginga Tetsudo, donc Galaxy Express, et aussi Yamato, qui est très cher au cœur de Greg en particulier, qui est une œuvre où son rôle a été un petit peu... il était à la fois concepteur, mais dont la paternité est partagée par plusieurs... Que peut-être la plus méconnue des trois grandes sagas. Il y en a d'autres aussi, hein, mais des trois grandes sagas de Yamato, Matsumoto. Yamato, on le connaît très peu en France. Il est plus connu aux États-Unis, par contre. Alors qu'aux États-Unis, c'est une des plus populaires. Elle est populaire, mais elle a été américanisée. Hein. Mmh. C'est comme Robotech, si tu veux. Il s'appelait Jimmy. Star Blazers. C'était Star Blazers et il s'appelait Jimmy. Il y a pas, les références aux navires de guerre japonais, parce qu'en plus les Japonais c'est les méchants pour les Américains, tu vois. Donc oui, le Yamato, il faut savoir historiquement, c'est un navire de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale. Et quand tu utilises cette évocation là. Voilà, elle est forcément négative pour l'Occident. C'est comme quand tu parles d'un Panzer pour les Européens, tu vois. C'est tout de suite, ça te renvoie un peu à une image belliqueuse d'un Japon conquérant, et donc qui forcément, enfin pour simplifier au maximum le propos, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous à l'école, on apprend surtout le théâtre européen, mais il y a eu une vraie grosse guerre aussi dans le Pacifique, qu'on connaît peu finalement en France, parce qu'elle n'est pas étudiée à l'école, sauf pour les bombes atomiques. Et Pearl Harbor, mais entre Pearl Harbor et la bombe atomique, enfin, il s'est passé plein de trucs, quoi. La Mandchourie, il y a eu l'occupation de Manchourie dans les années 30. Et en fait, voilà, c'est des choses qui sont pas du tout détaillées et que le Japon essaye de mettre un peu sous le tapis, mais voilà, en fait, les Japonais, c'était les méchants pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, voilà, ils ont, comme on dit, ils ont pas fait des trucs cool. Et donc, c'est pour ça que
le Yamato, qui était surnommé, enfin il a eu plein de surnoms, mais c'était un peu la forteresse flottante. C'était, je crois, encore aujourd'hui le plus gros navire de guerre jamais construit. Enfin, ses tourelles étaient tellement énormes qu'elles n'étaient même pas fixées au bateau, parce que la gravité les faisait tenir toutes seules. Enfin, c'était un navire qui était gigantesque. Et c'était le symbole de la supériorité technologique japonaise sur les appareils américains de l'époque, en tout cas. Et donc le Yamato, c'est un symbole technologique, c'est un symbole militaire, et bah, c'est pas forcément un truc dont t'as envie d'entendre parler, surtout quand t'étais taïwanais, indonésien, etc. Parce que c'est des pays qui ont pas mal morflé justement pendant toute l'expansion du Japon pré-Seconde Guerre mondiale. Et qui ont été plus ou moins colonisés, exploités, etc. Et donc le Japon de l'époque, bof. Mais le Yamato, ça reste un symbole aussi pour les fans de mécanique, de belle mécanique. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi un moment de l'histoire où il y a eu un développement technologique qui a été incroyable. Et les gens qui sont fans de belle mécanique, tu vois, aussi bien les modélistes, les gens qui sont fans de tanks, qui sont fans de stratégie, etc. C'est une époque qui continue de fasciner parce que les évolutions technologiques étaient absolument incroyables. C'est-à-dire qu'en quelques années, les appareils se sont complètement métamorphosés. Et il y a une vraie fascination pour les engins de guerre, et notamment les engins de guerre japonais, qui profitaient à l'époque d'une ingénierie qui était absolument incroyable. Et puis, en temps de guerre, le budget est illimité. Et on retrouve cette dichotomie d'ailleurs dans l'œuvre de Miyazaki avec Kasegatachin, Le vent se lève, où on a la fascination pour l'avion zéro. Mais là où Yamato entre en jeu dans la série animée, c'est que le Yamato dans la série animée est le dernier espoir du genre humain. Puisqu'il va à l'assaut des méchants, c'est le dernier espoir, il s'envole de la Terre pour aller oscir les... C'est quoi déjà les... Ils vont à Iskandar. Les méchants, c'est les... c'est les Iskandardines. Les Iskandardines. Hein, non, en fait, le principe... En fait, le Yamato, qui est une œuvre fondatrice de la pop culture japonaise, c'est un peu l'équivalent d'Indépendance Day. Tu sais, dans Indépendance Day, on s'est beaucoup moqué de « Ah, le président des États-Unis, il pilote un F-14 et il va exploser extraterrestre. » Bah, le Yamato, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le Yamato, il a été coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, l'humanité est vaincue par un peuple extraterrestre qui nous est éminemment supérieur. Et le seul espoir de l'humanité, c'est de récupérer l'épave de ce vaisseau de 1945, de le transformer en vaisseau spatial et de traverser tout l'univers pour aller directement frapper avec une arme secrète la planète mère de nos envahisseurs. Donc c'est un peu craqué comme scénar, mais... tu sais quoi, c'est Michael, récit... c'est à la portée de n'importe quel Michael Bay aujourd'hui. Mais du coup, c'est un récit qui est quand même assez nationaliste, parce que tu dis, le dernier espoir de l'humanité, c'est un vaisseau spatial construit sur les ruines d'un navire de guerre des années 40. C'est bizarre comme concept, mais bon, en tout cas, ça marche. Et on voit déjà que le grand amour de Leiji Matsumoto pour le néo-rétro, tu vois, il a vraiment toute cette fascination pour le pour l'aviation, comment dire, en général, pour l'aviation, mais vraiment pour la mécanique, pour la science-fiction. C'est-à-dire qu'on c'est pas du steampunk, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tu prends de la mécanique de la Première et Deuxième Guerre mondiale et tu vas l'adapter vraiment à un voyage spatial. Donc quand tu le regardes d'en haut, le Yamato, il ressemble à un navire de guerre de la Seconde Guerre mondiale, mais derrière, il a des petits ailerons, c'est très étrange comme mélange. Et au final, ça marche, et il a créé comme ça une esthétique qui est absolument extraordinaire, qu'on retrouvera d'ailleurs dans Albator, où c'est un mélange de caravelle et de navire spatial aussi. Et c'est bien parce que justement, c'est l'anti-Star Wars. C'est-à-dire que quand tu regardes à l'époque un peu la tronche qu'avaient les vaisseaux spatiaux, d'un côté, tu avais des vaisseaux
très rond, très géométrique américain, parce que eux, leur navire de guerre, enfin, toutes leurs histoires dans l'espace, ça c'est pré-Star Wars, hein. Mm-hmm. Tous leurs navires de guerre, etc., c'était plutôt dans des films d'exploitation des années 60. Donc il fallait que ça soit fabriqué vite et bien, tu vois, on pouvait pas se permettre. Donc c'est pour ça, les soucoupes volantes, ça les arrangeait très bien. Et d'un autre côté, tu avais les œuvres japonaises où les extraterrestres avaient plutôt des vaisseaux très cubiques avec des petites antennes ou avec des petits pics pour bien montrer que c'était eux les méchants. Et Leiji Matsumoto arrive et romantise ça un petit peu en mélangeant les genres, et ça va profondément marquer aussi la manière dont vont être construits les appareils de science-fiction japonaise. Après, évidemment, il y aura le choc Star Wars, mais il y a cette première arrivée d'Yamato, avec notamment le grand héritage de Leiji Matsumoto, c'est les intérieurs. Les intérieurs de vaisseaux qui sont impraticables, mais avec tous ces hublots un peu ronds avec des stries sur le côté. On dit même Leiji Matsumoto moniteur, tu vois. Voilà. C'est un mot qui définit le style ordinateur qui clignote, alors que l'ordinateur qui clignote Star Trek est très identifié. Celui de Star Wars est très identifié, c'est celui de Star Trek, mais qui marche moins bien. Et là, celui de Matsumoto, non, mais c'est ça. Star Wars, c'est un bouton qui marche et deux boutons qui ne marchent pas. C'est ça que... Star Trek, c'est surtout le. Tout est très géométrique. Là où chez Matsumoto, la technologie est très, très arrondie. Et je crois qu'en plus du méca design, et ça, on ne vous fait pas le Wikipédia, on vous le dit comme on le ressent, parce que c'est quand même une œuvre qui nous a passionnés, Greg, moi et toi, Puyo, puisque tu as été aussi touché par cette pop culture-là. À mon avis, ce qui caractérise l'œuvre de manière la plus distinctive, l'œuvre de Leiji Matsumoto, c'est de l'amertume. Parce que tous les héros de Matsumoto et Capitaine Harlock, donc Albator en tête, sont frappés par cette amertume. Captain Harlock déteste se battre. Il y a des épisodes entiers où ils ne se battent pas, où il n'y a pas de combat. Il y a et quand ils se combattent, ça conduit toujours à la mort de l'Amazone. Donc l'Amazone, c'est dans la première série. Les Sylvidres. Et toujours, elle tombe amoureuse de lui, toujours elle meurt. Et il déteste ça, en fait. Il déteste, il préfère la paix. Et dans la deuxième série, donc Mugen Kido SSX, dont vous voyez le Albator 84. Celle qui s'appelle la 84, mais faussement, puisque c'est parce qu'elle a été diffusée en 84 en France. Il est opposé à d'autres personnes de la Terre et il est complètement rogue. Il est contre eux, il est contre le gouvernement terrestre. C'est déjà un anarchiste, mais c'est un anarchiste au cœur juste, mais amer de faire ça. S'il pouvait, Albator, c'est ce qu'exprime sa série, il arrêterait ça. Il arrêterait et il prendrait sa retraite et il picolerait à une plage, en fait. Mais on ne lui laisse pas le choix. Et ce qui est l'autre truc fondateur, quand même, de Leiji Matsumoto, c'est l'amitié, en fait. Et il y a cette amitié complètement ubuesque entre Toshiro, qui est quand même un personnage qui est quand même ridiculement dessiné, et aussi ces personnages filiformes de femmes fatales qui sont un héritage de Matsumoto, parce que Leiji Matsumoto au début était un dessinateur de shoujo, et donc ça c'est un héritage. Il s'était marié lui-même à une mangaka shoujo. Donc du coup il y a un mélange des genres, il y a un mélange de nouvelle SF, une SF qui est plutôt mélancolique. C'est vraiment la mélancolie. D'ailleurs, on voit par exemple le générique de fin de Mugen Kido SSX. C'est Harlock qui marche avec la flotte derrière sur une musique très mélancolique. Et c'est vraiment ce qui caractérise, à mon avis, son œuvre. Et le panthéon, évidemment, de cette mélancolie, c'est évidemment Ginga Tetsudo. Galaxy Express. 39. Alors, nous, on dit 999, mais. Oui. 39. Galaxy. 999, générique moins bien par rapport à la série, et qui est quand même l'histoire d'un gamin qui est dégoûté, qui a tout perdu et qui décide de se cyborgiser, et qui va comprendre qu'en fait c'est pas ça la solution, c'est pas le fait de s'abandonner à la technologie qui va lui rendre et le bonheur et sa famille, et que finalement en fait c'est l'amitié en général, c'est toujours un truc très très important sous-jacent dans cette série. C'est quand même étonnant que des œuvres aussi matures aient été très très vite localisé en France. Alors, pourquoi ce choix finalement ? Parce que autant Grandizer, tu pouvais comprendre un petit peu ce qui motivait derrière. Je bénis le ciel qu'on ait eu à Captain Rock, parce que ça m'a donné un pont dans ma fanatitude d'enfant de dessin animé.
avec mon père, par exemple, mon père, il comprenait complètement Arlac. Enfin, pour lui, c'était Albator. Il regardait Albator, il comprenait la problématique d'Albator et il comprenait que, ah, en fait, c'est pas un truc con. C'est la première fois avec Grandizer, il a compris que Grandizer, c'est pas débile. Les premiers, ceux de la première génération, quand même, on a été quand même bien fournis, les shonen, là, les garçons. On a eu Grandizer qui est vraiment pas bête. On a eu Arlac qui est vraiment, vraiment humaniste. On a eu Capitaine Flamme qui est quand même un truc. Polar de l'espace. Base SF assez importante. C'est vraiment du deep SF. Et on a quand même été vernis. Mais avec Arlac et Genga Tetsudo, on a quand même quelque chose de très, 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 très amer. Ça pourrait être des romans russes de niveau d'amertume, parce que l'être humain en sort jamais vraiment grandi. L'utilisation de la violence, le recours à la violence est toujours un échec. C'est vraiment un truc très, très important dans son œuvre. Et puis, il y a une œuvre dont je voulais particulièrement parler. Alors, on peut la trouver sur Internet. Ah oui. On peut la trouver certains sites, parce qu'elle est difficilement trouvable. On peut la trouver en VHS, tu vois. Donc, je ne sais pas si elle est en DVD en français. Et c'est une des premières VHS qui a été sous-titrée. C'est une série qui s'appelle The Cockpit. Oui. Tu t'en souviens, Greg ? Chez Kazé, bien sûr. Chez Kazé. Ouais. Et c'est une série de 3 OAV basées sur des nouvelles de guerre de Leiji Matsumoto. Ouais. Et c'est des nouvelles vraiment très très sombres, dont une qui est réalisée par Kawajiri, donc un des très grands réalisateurs d'animation. Ninja Scroll notamment, entre autres. Et qui nous met, la première par exemple, est vraiment très connue, c'est celle où il nous met à la place d'un soldat allemand, et c'est une uchronie où l'Allemagne découvre la bombe atomique et qu'il a le choix de lancer la bombe atomique ou pas, et choisir de le faire, devenir un monstre ou pas. Mmh. Et donc, c'est une uchronie. Hein. Bien sûr, il y a du ressenti par rapport à son fait de Japonais d'avoir été frappé par la bombe atomique, évidemment. Mais c'est vraiment une uchronie humaine et intéressante de ce point de vue-là. C'est vraiment... incroyablement marquante, hein, cette première OAV. Ouais. Et les trois, hein, parce les que trois, c'est bien aussi, sûr, mais celle-là... Parce qu'après, ça parle des kamikazes qui sacrifient inutilement leur vie. Parce que, évidemment, tout finit mal. Hein. Tout finit, il n'y en a pas une seule. Non, on n'est pas là, il y en a pas une pas seule. Là pour rigoler. Voilà. Mais voilà, je pense que ça reflète aussi son œuvre très mature. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu regardes Captain Arlac, et même... bon, vos copies, évidemment, mais si tu regardes Captain Arlac, et tu penses que tu vas voir de la grosse baston, il n'y a pas tant de course-poursuite, il n'y a pas tant de baston. Encore la deuxième série Mugen Kido SSX, parce que Shingo Araki qui voulait des scènes d'action. Non, ça bagarre plus sur Albator 84, parce que c'est une véritable commande de la Toei. De la Toei. Là où la première série était plus une coproduction avec une volonté de refaire le succès d'Yamato qui avait eu lieu 3-4 ans auparavant, mais avec une plus grande liberté laissée au maître, entre guillemets, qui a repris en fait un de ses personnages pour en faire un pirate de l'espace, parce qu'il fallait que ça se passe dans l'espace et il fallait vendre des jouets en forme de vaisseaux spatiaux. D'ailleurs, c'est triste de dire que le manga d'Albator n'a pas de fin, parce que le succès n'a pas été au rendez-vous, enfin du moins pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc la première série d'Albator a une fin originale qui a été créée plus ou moins en accord avec le sensei. Et le réalisateur qui était Rintaro à l'époque. Rintaro, exactement. Mais par contre, le manga, lui, s'arrête avant la fin. Voilà, bon, c'est dommage. C'est des choses qui arrivaient souvent. C'est pour ça que le manga raconte un peu une histoire un peu différente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le côté mélancolique, entre guillemets, d'Albator, ça vient aussi du paradoxe que Leiji Matsumoto était un admirateur de tout ce qui était mécanique de guerre, hein, comme je disais tout à l'heure, mais qui, par contre, a fait partie de cette génération de 68 arts. Plus la paix plutôt que la guerre. Donc c'est une ambivalence où tu es fasciné par les engins de mort, mais que tu ne souhaites pas qu'ils soient réutilisés un jour. Complètement bien. Et Albator, c'est ça en fait. Albator, c'est une vraie critique de la société de l'époque, parce que tu regardes le propos d'Albator. On découvre un engin absolument incroyable, une espèce d'énorme sphère noire avec des hiéroglyphes dessus que personne n'arrive à comprendre et on ne sait pas ce que c'est. Et il y a un archéologue qui décrypte le message, qui dit « Ah, mais c'est un message qui nous dit que la Terre appartient à des êtres d'une autre civilisation qui s'appellent les sylvidres. » Et donc, c'est pas des mammifères, c'est des plantes vivantes et elles vont venir nous envahir. Donc ce mec-là est assassiné par les sylvidres qui ont déjà des agents infiltrés sur Terre.
Et ce mec-là meurt dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que... ce côté est un peu adouci dans le dessin animé où on va rajouter une petite fille, on va rajouter un antagoniste militaire un peu concon. Mais en gros, pendant Albator, les Sylvides, qui sont donc une allégorie de la prise de conscience écologique déjà à l'époque, envahissent l'humanité. Et donc l'humanité est en train de dépérir, assise sur son cul. Parce que le gouverneur qui pourrait agir, on le voit, il passe son temps à jouer au golf et à dire aux flics « Non, allez plutôt tabasser Albator, ce sale bitnik. » Albator est toujours le rogue. Hein, dans voilà, et du coup, Albator, c'est le hippie qui essaye d'alerter les gens sur les problèmes. Alors, le héros, c'est plutôt Ramis, donc le fils de l'archéologue qui a tout découvert, et que donc Albator va prendre sous son aile. Et ensemble, ils vont être les résistants et essayer de sauver une humanité malgré elle, puisque au final, les gens sont très passifs. La société qui est dépeinte dans Albator, c'est vraiment un futur dans lequel les problèmes des gens, c'est qu'est-ce que je regarde à la télé ce soir, et ils sont dirigés par une élite qui est complètement corrompue. Et Albator, qui essaie de réveiller les gens, se fait justement poursuivre par la police. Donc il y a un vrai propos post-68 qui est encore dans la rébellion, dans tout l'écologie. Et Albator, c'est ça en fait, c'est un beatnik de l'espace, sauf qu'il a des gros canons. Non mais Greg a totalement raison, l'étatique qui est le corrompu là-dedans, et lui qui est dans le bon droit. Et il n'essaie pas justement de faire justice à lui-même, il essaie juste d'exister en fait. C'est vraiment un attentat à son existence. Il y a un aspect que j'adore de son œuvre et que j'ai redécouvert plus tard, parce que ça tu pouvais pas l'avoir quand t'étais petit, et surtout pas dans les VF. C'est la cohérence dans son histoire, puisque tu sais, Zelda, tout le monde a essayé de faire une chronologie. Tu peux pas vraiment faire une chronologie de son œuvre, mais Leiji Matsumoto a essayé de mettre des éléments de chacune de ses œuvres pour que ça se croise. Par exemple, dans Ginga Tetsudo, le garçon se retrouve avec le flingue le plus puissant de l'univers, mais le flingue le plus puissant de l'univers, t'en entends parler dans c'est Harlock qui a l'autre. Enfin, tu vois, il y a tout un truc qui se recoupe. Ils ont jamais vraiment réussi, même si Matsumoto a essayé de faire. Ils ont réécrit ses origines. Ils ont réessayé de faire un Matsumoto-verse à un moment, mais c'est très compliqué parce que Leiji Matsumoto, donc il a été assistant de Osamu Tezuka, donc c'est la deuxième génération de mangaka. Et comme énormément d'auteurs de cette époque, il fonctionne par archétype. C'est-à-dire que quand tu lis 10 mangas de lui, tu as 10 fois plus ou moins le même personnage. Et donc, tu as toujours le petit gros avec des lunettes, le petit gros sans lunettes. Le petit gros qui joue avec un petit avion en faisant le héros filiforme, un peu ténébreux. Les figures féminines. Voilà, la jeune fille très effacée. Voilà, donc c'est vraiment... En fait, il a plusieurs marionnettes et il raconte des histoires différentes avec toujours les mêmes archétypes. Et c'est vrai que du coup, c'est compliqué parce que les personnages se ressemblent, ils se fondent. Enfin, comme je te disais, Albator, c'est un personnage qu'il avait déjà créé au début des années 70, qu'il a réutilisé. Et du coup, le fait qu'ils se croisent dans le premier long métrage de Galaxy Express 999, qu'on croise à la fois Albator, Toshiro, donc le héros de Galaxy Express, et Esmeralda, donc Queen Emeraldas en japonais, qui à la base devait aussi apparaître dans le manga d'Albator qui a été coupé avant la fin. Enfin bon, ça a fait toute une histoire. Queen Emeraldas devient l'épouse de Toshiro. Voilà. Et Toshiro devient l'ami intime de Harlock, et c'est ça qui fait un peu la jonction. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des archétypes, comme dit Greg, et tu peux à peu près reconnaître des choses. Par exemple, la première série se déroule après, mais par contre, dans le vaisseau, dans l'ordinateur du vaisseau, se trouve l'âme de Toshiro, et tu vois que Toshiro a mis son âme dans le vaisseau, dans l'Arcadia, donc l'Atlantis. Et y a un film qui est extraordinaire et qui permet de faire la jonction entre tout ça, c'est Mugen Kido SSX. En fait, c'est presque le pilote de la deuxième série télé, et qui réécrit les origines de Harlock. Donc on le voit avec ses deux yeux et sans la cicatrice, on le voit amoureux, on le voit prendre son désir de revanche sur l'humanité. Enfin, c'est un film vraiment magnifique. Évidemment, c'est très triste, hein, parce que personne n'en sort grandi, encore une fois. Et puis c'est triste parce que en fait, les deux séries Albator prennent comme postulat de base la corruption des élites. C'est-à-dire que dans le premier, c'est évidemment les mecs qui veulent pas bouger leur cul, qui disent « Mais non, les Sylvides, on les aurait vus arriver, vous nous avez pris pour qui ?»
attraper plutôt Albator, il paye pas ses impôts, tu vois. Et la deuxième série, on a été envahi par les extraterrestres. Et en gros, les pires ennemis d'Albator, bah, c'est pas les extraterrestres qui sont envahis, c'est les collabos. Parce qu'il y a des humains qui sont à la solde des extraterrestres, qui sont très contents en fait qu'on soit dirigé par des extraterrestres, parce que du coup, ils ont pris du galon, etc. Et c'est eux les pires chasseurs, les pires pourchasseurs, pardon, d'Albator. Donc c'est vraiment, à chaque fois, c'est vraiment ce côté, je lutte contre une institution parce qu'elle est injuste. Et c'est ça qui me donne le droit de me révolter. Là où Galaxy Express 999 est beaucoup plus une quête philosophique sur le personnage de base qui va devoir évoluer après avoir vécu un drame absolument horrible, puisque en fait ça commence un peu à la manière des chasses du comte Zaroff, c'est-à-dire qu'en fait sa mère a été enlevée par une armée de cyborgs qui font de la chasse un sport, et en fait ils enlèvent des humains, ils les chassent dans les bois pour les chasser. Donc sa mère meurt comme ça. Le gamin arrive, il arrive donc avec le... Je ne sais plus comment il s'appelle en français, le cosmosaure. Le cosmodragon, le nom, enfin bref, le fameux pistolet, dont il existe deux exemplaires dans l'univers. Il arrive, il tue tous les robots qui sont en train de faire un banquet, et il voit le buste de sa mère empaillé au mur, tu sais, comme tu vois, critique de la chasse, critique de tout ça, critique de la bourgeoisie. Et donc c'est là qu'il décide. Mais c'est exactement ça, c'est les chasses du comte Zaroff. Que sa vie c'est de la merde, et en montant donc dans ce train vapeur de l'espace, tu vois, là encore mélange néo-rétro. Où tu as une loco-vapeur, mais à l'intérieur, tu n'as que des petits cadrans ronds, lumineux, etc. C'est là qu'il va croiser Maëtel, donc le personnage, cet archétype de la jeune fille hyper mince, mais qui est plutôt habillée à la russe, là, avec son espèce de truc là où tu mets les mains. Une chouba. Et voilà. C'est un classique de la narration. Ça va être son mentor. C'est un classique de la narration, c'est-à-dire qu'ils vont aller de monde en monde où à chaque fois... C'est One Piece avant l'heure. Ça a l'air bien, bah, c'est un truc que tu retrouves vraiment dans énormément de récits où tu vas de monde en monde et dans chaque monde, y a des règles différentes, y a des gens différents, et puis finalement, ça se finit toujours de manière un peu douce amère et hop, je pars à la planète suivante. C'est un peu puis... Zadig, hein. C'est vraiment... Oui, voilà, on est dans le conte philosophique. Ouais. Et je voulais dire, puisque c'est moi qui joue un peu le pouillot, qui fait le host, je regarde Hubert, qui est pas sur le temps qu'on prend, sur cette petite parenthèse, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, comparé à Go Nagai, son œuvre a assez peu inspiré le jeu vidéo, en fait. Si tu regardes, il y a eu peu de jeux vidéo Leiji Matsumoto, il y a eu quelques jeux Yamato, mais globalement, il y en a assez peu, et il faut quand même signaler quand il y en a eu quelques-uns. Et je pense qu'il y a eu Robot Tyson T, qui était le dernier en date, et où Harlock était la plus grosse prise de Bandai, puisque pendant des années, en fait, la série des Super Robots Tyson, on ne montrait que des séries avec des robots. Que des robots. Et là, on a tout d'un coup, Harlock devient... c'était mon plus grand tueur de toutes les maps, il pouvait tuer 10 personnes d'affilée, et ses attaques sont superbes, et sa furie notamment... C'est parce qu'il est cheaté ou c'est parce que tu l'utilisais bien? D'abord, j'utilisais bien, mais surtout parce qu'il était ultra cheaté, et parce que le jeu est assez facile, en fait. Mais du coup, là, on n'en voit que la première attaque, mais ensuite, les autres attaques sont extraordinaires. T'as pas mis la vidéo où il prend d'assaut un... C'est la dernière, mais c'est la dernière. Hubert, il prend que la première pour teaser. Mais tu sais, donc, il rentre dans le tuyau, dans le fameux tuyau, et tu vois Captain Harlock lui-même, ce qui se fait pas trop, parce que tu sais, normalement, Robot Tyson, c'est quand même les robots qui interagissent. Et là, on voit le tuyau qui arrive dans le robot, et tu vois Harlock qui en sort. Faut signaler quand même quelque chose, c'est que le doubleur, le comédien original, qui était aussi le comédien qui doublait Goemon, est mort attends que je dise pas de bêtises. En tout cas, le comédien original est décédé, comme à peu près tous les comédiens de cette génération-là. Et du coup, ils sont obligés de prendre un acteur qui ressemble, et depuis, Robot Tyson, en fait, doit affronter ce problème, puisque les comédiens... Est-ce qu'il y a eu des jeux dédiés à Harlock? Alors justement, ouais. J'y reviens. Il y a eu le Cosmo Warrior Zero, si tu te souviens, sur PlayStation. Et Cosmo Warrior Zero, bon, alors c'était pas ouf. Hein. Ça se voit. Hein. C'est pas la ouf. PlayStation, quoi. C'était pas rigide, ouf. C'était pas ouf, mais par contre, il y avait des petites séquences. Il y avait des séquences de dialogue entre les personnages. Et Cosmo Warrior Zero, donc Lei, comme Leiji Matsumoto. Donc on est un peu dans cette espèce de... Alors, vous fiez pas à ça, il y a aussi des séquences en dessin animé, c'est pas que moche. C'est la récompense. Hein. Ouais, voilà. Clairement. Ah, j'ai jamais été très loin dans ce jeu, je l'ai acheté hein, pourtant. Mais voilà, il y a eu Cosmo Warrior Ray, et alors là, il y a eu presque, tu vois, c'est pas si mal hein, quand même, tu vois, si t'aimes les extraterrestres à la peau bleue.
Et il y a eu quand même un événement un peu important dans le, on va dire, dans le Leiji Matsumotoverse en France, c'est qu'il y a eu Escape from Cyber City. Ah, je pensais que tu allais dire autre chose. Oui, Escape from Cyber City. Je sais pas pourquoi tu pensais à quoi. On verra. Il y a un autre événement, Leiji Matsumoto, qui relie Leiji Matsumoto à la France, évidemment. D'accord, évidemment. Bah écoute, donc, Escape from Cyber City. Bah évidemment, c'est un jeu qui reprend des extraits des films Ginga Tetsudo et Saraba Ginga Tetsudo, donc Farewell My... comment c'est quoi le nom original, mais enfin le deuxième film de Ginga Tetsudo, et qui les utilise pour faire un film interactif, un Space Ace, un Dragon Slayer. Like, Dragon Slayer, voilà. Ouais. Donc en gros tu choisis plutôt un Time Gal, voilà, tu choisis la bonne commande c'est, au bon moment. C'est l'adaptation d'un jeu qui existait déjà sur Laserdisc qui portait un autre nom, et il est sorti sur CDI, mon gars, et je me souviens d'y avoir joué, je crois, en démo au Super Games, et j'ai halluciné en me disant, je suis en train de jouer à Albator, mais il me faut que j'achète un CDI. Connerie que je n'ai pas faite. Ouf. Et parce qu'il est vraiment, en plus, il est mal fichu. Il y a plein d'animations qui sont vraiment pas bien. Mais on peut dire que quand on voit les accords aujourd'hui qu'on doit fournir pour montrer la moindre image, ne serait-ce que sans problème de droit ou quelque chose, aujourd'hui, ça n'aurait aucune chance de sortir. Mais alors, aucune, genre, il n'y a aucun nom. Les noms, ils ont tous des noms. Anglais, il y a vraiment, les séquences sont mises en dépit du bon sens. Ah oui, c'est vraiment un montage. C'est vraiment un montage, mais si tu réussis pas le montage, c'est une fanfic. Ouais. Le dessin animé, c'est vraiment une fanfic. Ouais. Mais c'est sorti officiellement en France sur CDI. Et évidemment, tu parlais. Attends, excuse-moi, juste une question avant de sortir des jeux vidéo. T'as pas mis le Yamato de la PS1? J'ai pas mis le Yamato. Il y a des Yamato de la PS2 aussi. Je crois que c'est une trilogie de jeux qui sont sortis. C'est ça. Qui était très correct. Qui était très correct. Hein, t'avais de la bataille spatiale. Après, t'avais des séquences action en TPS parce que tu descendais sur les planètes, tu les explorais un peu. Il y avait un petit côté un peu Star Trek japonais où évidemment, t'allais de planète en planète. Et le jeu était vraiment pas mal. Non, mais il y a eu des petites adaptations, ça ou là. Il y a eu des adaptations en 8 bits, puisque c'est quand même, faut pas oublier que c'est quand même des séries de 80, donc c'était vraiment des jeux primitifs. Leiji Matsumoto, ça n'a pas été un grand fournisseur de licence pour le jeu vidéo, parce qu'à la base, c'était pas un gros fournisseur de licence. C'est-à-dire qu'il a réussi à créer un univers graphique qui a énormément marqué les gens, mais... Alors, on va pas se mentir, il vivait surtout de ses droits d'auteur sur Yamato et Galaxy Express, du moins au Japon, parce que c'est vraiment les deux séries qui l'ont vraiment fait connaître, et c'est les deux seules séries sur lesquelles il y a eu beaucoup de merchandising, parce que pour le reste, ce qu'il faisait était trop tordu pour les enfants. On lui a d'ailleurs souvent... Les producteurs lui ont souvent reproché lorsqu'il y a eu d'autres œuvres adaptées, parce que Ils ont commencé à lui passer commande et on lui reprochait que ce soit trop triste ou trop compliqué à adapter en jouet, etc. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les années 70, les studios d'animation, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient voir les dessinateurs de manga et ils leur demandaient de leur créer des personnages ou des univers. Tout ce qui va être donc Kamen Rider, etc., c'est des commandes. C'est-à-dire que c'est pas le mangaka qui dit tiens je vais créer un héros sauterelle, c'est la Toei va le voir, elle dit on aimerait bien faire une série télé avec vous, on a des jouets en tête, est-ce que vous auriez pas une idée de super héros, elle fait bah si tiens on veut vendre des motos, voilà. Et donc du coup Leiji Matsumoto a été sollicité, il y a eu Yamato ça a cartonné, donc depuis il a été sollicité, mais contrairement à Go Nagai ou à Shotaro Ishinomori, il n'arrivait pas à produire des concepts qui se transformaient bien chez les enfants. Surtout de saison en saison. C'est-à-dire, c'était vraiment... Leiji Matsumoto était plutôt une personne du one-shot. Là où Ishinomori, il arrivait à sortir le truc. Chaque année, tu avais ton Kamen Rider et tout ça. Et du coup, Leiji Matsumoto, on lui a même demandé... Il a fait un robot. Il y a Dangard A. C'est Dangard Ace. Ouais. Et tu regardes le design, tu sens que ce qu'il avait dessiné à la base et ce qui est devenu donc le jouet, vous pouvez aller voir sur YouTube les clips de Dangard Ace. Je crois que c'est... Tu vois que le robot, il ressemble pas du tout au robot de l'époque, il est beaucoup plus pointu, beaucoup plus compliqué. Et à animer, c'était Shingo Araki qui est venu à la rescousse. Oui, c'était une catastrophe à animer ce robot. Qui est venu à la rescousse, qui était l'animateur star des années 70 et début 80, qui est le mec qui a fait que Senseiya ressemble à un dessin animé de ouf et pas au manga. Et on faisait appel souvent à des animateurs de renom pour sauver des séries. Et Dangard Ace, c'est une de ces séries qui a été sauvée. Et
on parlait de liens et de demandes de licence, évidemment, il y a quelque chose qui s'impose. Alors, d'habitude, les gens, on parlait le premier lors des hommages. Nous, on va faire là-dessus. On ne fait pas comme tout le monde. Voilà, excusez-nous, on parle de ce qui nous importe. On va donc parler d'Interstellar. Mais Interstellar, évidemment, un jour, il y a deux riches musiciens qui se disent on a envie de faire. On a de l'argent. Ça s'est vraiment passé comme ça? Ils ont dit on veut faire Albator? Non, mais... ils sont pas arrivés en disant on a de l'argent. Non, mais ils ont dit on aimerait avoir un clip. Canega à Limas. On aimerait un clip qui ressemble à Albator. Oui, tout à fait. Au bout d'un moment, ils ont dit on va en faire un film. Et c'est eux qui ont écrit le script et tout ce qui est de l'ordre de l'histoire. C'est eux, c'est pas les Japonais. Daft Punk, évidemment, on les a pas nommés pour l'instant, mais oui, bien sûr. Mais ça, c'est cool de. Ça se trouve, ils nous regardent, on sait pas. Bah oui, bien sûr. Bah, salut. Non, en fait, l'histoire, c'est que les Daft Punk, forts de leur premier succès, se disent voilà, là, on a les moyens de se faire un peu plaisir. Nous, on kiffe Albator. C'est les rois du monde à l'époque. Ils ont deux albums qui cartonnent. On veut refaire. Ils ont que Homework. Ils ont que Homework à l'époque. Parce que ça, c'est. Oui. C'est 2000. Bah, c'est 2000-2001, oui. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils étaient si peu productifs. Pour Discovery, ouais. Ouais. Et du Désolé. Coup, ils vont au Japon et ils disent, on veut Albator. Donc, c'est ça, on voudrait un clip qui ressemble à Albator, parce que nous, on kiffe Albator. C'était encore l'époque où les Japonais disaient, tiens, mais pourquoi ça les intéresse? Enfin, c'est bizarre. Et donc, ils commencent à contacter, à se faire mettre en relation avec Leiji Matsumoto. Et là, il y a un espèce de quiproquo qui se crée. C'est qu'en fait, les Daft Punk... Ils voulaient le look du dessin animé. Donc, il faut tout de suite mettre la Toei dans le circuit parce qu'il faut dessiner comme Kazuo Komatsubara, qui était le designer des deux séries Albator. Et donc, il y a eu un... Alors, c'était pas un incident diplomatique, mais tu vas voir... Japon, c'est compliqué d'aller voir le créateur. Voir le créateur et lui dire « Alors, on voudrait ça. » Non, pas comme ça. Non, mais c'est la même ambiguïté. Il y a des strates. C'est la même ambiguïté que les gens qui vont voir Gonagall en disant « Est-ce que vous pouvez nous faire Goldorak ?» Il leur fait un Goldorak, mais qui n'est pas exactement... Parce que le Goldorak tel qu'on le connaît, c'est le Goldorak de la Toei, en fait. C'est le Goldorak, pareil, de Kazuo Komatsubara. Lui, il a juste dessiné des vagues concepts, Grandizer. Il a dessiné un manga qui est allé voir. Mais globalement, tout ce qu'on connaît du lore de Goldorak, c'est que la Toei, c'est que les artistes de la Toei. Et c'est à peu près ce même genre d'imbroglio. Maintenant, ils sont arrivés au Japon, ils ont dit on veut avoir ça. Et au bout d'un moment, tu sais, ils voient comment ça se passe, les studios d'animation. Tu as les différentes plaquettes. Tu as la plaquette A qui ne coûte pas trop cher, la plaquette B. Et eux, ils ont dit non, on veut la C avec le contrat pour le film. Et donc, ils ont fait le long métrage parce qu'ils avaient du budget, en fait. Alors, faut relativiser. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec du budget, mais le budget d'un clip vidéo, c'est 10 fois le budget d'un épisode de série animée. Donc, ouais. En prenant de très bons artistes avec une très grande qualité d'animation, etc., le prix n'était pas différent de faire des clips très recherchés ou quoi. Tout a un coût et ils ont réussi à le faire. Et surtout à le vendre en Occident comme « Ah, c'est fait par le créateur d'Albator ». Alors que le créateur d'Albator, il a été Genan au maximum, tu vois. Il a regardé comment ça se passait. Ah, je pense qu'il a quand même travaillé sur le rendu artistique des concepts. Parce que tu retrouves pas mal de choses. Il a supervisé. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment une réussite à la fois commerciale. Esthétique. Esthétique. Et surtout, ça légitime le style Matsumoto. Ça le rend pour des plus intemporel. Pour des milliers de gens. Ça, et alors, tu sais quoi, ce qui me fait bizarre, c'est que c'est quoi? C'est 2002, non? 2001, ouais. 2001, ouais. Ouais. C'est genre, d'en parler sur... Je me disais, mais merde, il y a peut-être... Ça veut dire que les gens qui sont nés peut-être en cette année-là, ils n'ont jamais entendu parler. Ça a déjà plus de 20 ans. Et donc, il ne faut pas en parler avec dédain parce que ça faisait partie de... Nous, on avait déjà adultes, mais oui, ça fait quand même partie intégrante quand même de cette pop culture, que l'héritage que nous a laissé Leiji Matsumoto, quoi. Avant de conclure sur cet hommage, moi, il y a une question que je me pose, c'est que les mangas de Leiji Matsumoto, je n'ai pas le souvenir qu'ils aient été spécialement localisés ou mis en avant. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis en France? Bien sûr. Je les ai complètement. Albator, tout est sorti. Galaxy Express, tout est sorti. Il y a eu pas mal d'histoires courtes aussi qui sont sorties. Alors, Leiji Matsumoto, il est rattaché à la maison d'édition Kana. Mm-hmm. Et ils ont. Je pense qu'ils ont sorti. Mais en termes de manga. Je ne sais pas s'ils ont sorti les
histoires courtes. Non, pas Cockpit, c'est sûr. Cockpit, il n'est pas sorti. Non, c'est, mais Cockpit, en tout cas, si, tu peux lire Albator et Galaxy Express dans son jus, traduit en français. C'est juste que c'est, comme disait Greg, dans son jus. C'est un style pas vieux, mais c'est un style des années 70. Attention, il n'y a pas de fin, surtout. Voilà. Ouais. C'est des mangas. Mais à l'image de ce que ça représente, hein, c'est logique que ces mangas n'aient pas de fin aussi. Parce que c'est le voyage éternel, c'est la rébellion éternelle, et finalement, n'est-ce pas là la plus grande des mélancolies? On va conclure là-dessus. Oh, cet hommage à Lady Matsumoto. Merci messieurs pour votre science absolument considérable. Nous, on va continuer. On va parler de jeux vidéo. C'est l'heure d'une nouvelle rubrique. Enfin, une nouvelle rubrique. Nouvelle. Ah, nouvelle. Vous allez voir. Oulala. Je vous réserve un petit twist. On en parle juste après cette petite pause. Petit twist. Ouf, là, je suis impatient. Eh bien oui, parce qu'après cette petite bande-annonce de Like a Dragon Ishin, moi j'ai aussi un autre scoopou. Scoopou. Eh oui. Qu'est-ce que c'est le scoopou? On avait parlé de Famitsu Mimasen la dernière fois, ça nous a donné des idées à Lionel, mon cousin, à la famille et à moi. Mais surtout à Lionel. Voilà, regardez un petit peu ce que ça donne désormais Famitsu Mimasen avec son logo. Quoi? Et mieux que ça. Regardez-moi ça. Ah, c'est pas beau ça? Ils sont magnifiques. Hein, on dirait pas les avatars réels de Famitsu. Ah, ils sont très avatar Famitsu. Bah, t'aurais dû me dire, moi j'ai le mien. J'ai mon vrai. Ah, mais c'est vrai, t'as ton vrai avatar. Oui, mais là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de reprendre les avatars de Famitsu. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Famitsu, chaque testeur. Légendaire magazine japonais. Ce qu'on appelle les cross-reviews. Et donc, il y a des petits bonhommes qui représentent les différents journalistes. Et en fonction du jeu, ils mettent une note sur 10. Bah, la dernière fois. Et en plus, regarde, on a les fringues du générique. C'est génial. L'attention au détail. La dernière fois, on a dit, mais chacun 8 à Fire Emblem Engage, qui était notre jeu du mois de janvier. Et donc, il a mis 8 à Fire Emblem. Voilà, 8, 24 sur 30. Normalement on fait un test complet. Hein. Dans le 8, il y a un texte qui dit, les graphismes sont super. Attention, le jeu est un peu long. Voilà. Et franchement, j'ai bien aimé. C'est ça, les tests Famitsu. Ouais. Faut arrêter de les déifier, les tests Famitsu, parce que c'est chat GPT avant leur. Et puis, en général, tu me feras pas croire que t'as joué à 24 jeux qui sortent cette semaine-là. Mais bon. C'est compliqué. Bon, tout ça pour dire que bientôt, il y aura Ishin et peut-être d'autres jeux comme ça qu'on a en commun. À chaque jeu du mois, mais si on a des jeux en commun. Mais par exemple, Greg, je sais que tu as joué à Octopath. Ouais. Puyo n'a pas joué. Spoken, ou à Wild Arts. Mais quand tout d'un coup ça va se recouper, on va le rajouter. Bah, Wild Arts, on y a joué tous les trois ou pas? Non. Pas encore. C'est moi le. Octopath? Non. Pas encore. On verra. Ce sera des tableaux. Théâtrisme? Voilà, par exemple. Théâtrisme. Qui vont être agrémentés au fur et à mesure. Théâtrisme, on en parle. C'est pas l'heure encore de Théâtrisme. On commence déjà par Like a Dragon Ishin, qui est donc disponible depuis mi-février sur à peu près toutes les machines du marché, sauf la Switch. Oui, voilà, tout sauf Switch. Voilà. Et on va dire que c'est quand même des tests qui ne ressemblent pas aux autres presse jeux vidéo. Hein. C'est quand même un peu unique, quand même, ce qu'on fait là. C'est vrai. On va avoir des notes qui vont être très. Qui vont. Bah oui, différentes. Peut-être qu'on aura. Oui, parce qu'on pas forcément tous d'accord sur un jeu, on le verra d'ailleurs tout à l'heure. Donc là, avec Dragon Ishin, on a déjà fait un Sumimasen combo dessus, mais là, on profite d'avoir la présence de Greg qui lui aussi. Alors, Greg, qu'est-ce que t'en as pensé? Petite précision quand même avant de recadrer juste. Dans les aigus. On rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, donc c'est le. On dit plus Yakuza, on dit Like a Dragon. Mm. Ishin, c'est un jeu qui est déjà disponible depuis très longtemps au Japon, parce que c'était même un jeu de lancement de la PS4. Oui. PS3, PS4 à l'origine. Voilà, il est sorti en 2014, il revient en 2023. Alors, ils l'ont kiwamisé, c'est-à-dire qu'ils ont dit au Japon, c'est Ishin Kiwami, donc légèrement revu et corrigé. Changement de moteur, on passe à Unreal Engine 4. Soyons sincères. La réalité, c'est que. Kiwami, normalement, ça veut dire qu'ils ont repensé le truc, ils ont rajouté des détails. Parfois, ils rajoutent des bouts d'histoire et tout. Là, ils ont fait pas grand-chose et ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Ils ont changé de moteur. Voilà. Ils ont changé de moteur, mais ça, c'était important pour eux. Il y a des raisons. C'est pas Dragon Engine, c'est l'Unreal Engine 4. Il y a des raisons politiques là-dedans. C'est pas, ils ont pas voulu, c'est parce qu'ils avaient pas le choix. L'autre fait le plus important à noter, c'est qu'on n'est pas dans la même période historique. Voilà, on est dans un Japon, le Japon de la fin du 19e siècle. Alors, il y a déjà eu un bond dans le passé avec la série Yakuza dans un épisode qui lui aussi reste inédit chez nous, qui s'appelle Kenzan. Et là, s'ils le sortent, il faut vraiment le kiwamiser à fond parce que c'est vraiment vieux. Mais là, Ishin était relativement moderne encore. Il avait une approche Yakuza-esque. Yakuza-esque. Très RPG.
Donc l'adaptation était possible, on va dire, même si elle est très très riche en termes historiques, on y reviendra. Et c'est le jeu qu'on a accueilli en fin mi-février. Voilà, ouais. J'ai reprécisé tout ça. Mm-hmm. Maintenant, Greg, oui. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans cette proposition-là ? Alors, je me suis bien amusé, mais j'ai été un peu déçu déjà en termes d'équilibrage. Parce que les personnages que tu rencontres dans la rue sont tous idiots, super faciles à battre, etc. Et par contre, les boss sont hyper durs. Ça, c'est une caractéristique souvent commune des jeux. Là, il faut venir avec beaucoup de sushis et de bento. Ouais, mais là, c'est vraiment pire. Il y a vraiment un déséquilibrage total entre les PNJ que tu lattes comme ça. Et avec le Hogan, paf, voilà, paf. Tu te mets de loin, pan. Ou même à main nue. Enfin, il y a les quatre styles de combat qui sont là, il n'y a pas de problème, mais... déjà, je trouve que les quatre styles de combat sont assez inégaux. Il y a quatre styles de combat dans lesquels on zappe. Donc, tu as le style bagarreur. Le style bagarre à main nue, le style au sabre. Qui permet des parades rapides. Voilà. Le style au sabre, le style au flingue et le style mélange flingue-sabre. Le style danseur en diable. Voilà, qui est l'héritage du Nito Liu. C'est-à-dire, le combat à deux épées, là, c'est épée plus. Ou s'il n'a pas de garde, mais uniquement de l'esquive. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'ils sont pas... Ils sont assez inégaux, en fait. Et surtout... La mécanique des combats c'est vraiment... C'est hyper frustrant de rouler sur tout le monde et t'arrives au boss et les boss sont craqués parce qu'en fait, il y a quelques coups qui sont vraiment très abusés dans le jeu et pour éviter que t'en abuses face au boss, les boss ont des phases d'invulnérabilité, ils ont des attaques imparables, ils ont des... Tu refais toujours un peu toujours les mêmes segments, les mêmes techniques. J'ai trouvé les boss très frustrants. Le jeu reste la quand construction même, elle-même la construction du jeu on reste est quand même classique. Dans des zones moins donc, ouvertes que les voilà donc que le problème les c'est que le j'allais y venir le côté FedEx est beaucoup plus présent puisque la ville est beaucoup plus petite, le nombre d'allers-retours que tu fais entre le centre du Shinsengumi donc le groupe que tu intègres et l'hôtel principal. Il faut utiliser les porteurs, moi j'utilise les porteurs bien sûr, mais c'est l'Uber de l'époque. Oui, mais c'est ça, c'est tu vas la journée typique du jeu, c'est divisé en 13 chapitres ou 14, je sais plus. 14. Tu commences le matin, tu sors de ah j'ai bien dormi, hop t'as la petite serveuse qui est là oh là là donc avec la patronne qui est là c'est vrai que monsieur machin a encore passé sa nuit au bar. Ah, voilà, oh, soumis ma scène. Voilà. Voilà. Hop, et il te dit. Et hop, tu sors et tu sais, il se dit à lui-même, il faut que j'aille au Shinsengumi parce que blablabla. Qui est à l'autre bout de la ville. Donc tu remontes toute la ville, tu te fais emmerder, tu croises des gens qui se font emmerder. Ouais, t'as pas de l'argent. T'es vraiment souvent interrompu, que ce soit par les combats aléatoires ou par les gens les quêtes secondaires. Non mais c'est un coupe-gorge le truc quoi. À chaque vrai coin de rue, il y a des gens. Dis donc toi, donne ton argent. Mais ça reste un Like a Dragon, c'est-à-dire qu'avant d'aller au Shinsengumi, il faut quand même passer par ta résidence secondaire pour aller chercher des concombres et cultiver tout ça. Tes poireaux mais tu vas donc tu dis tu te lèves le matin il faut que j'aille au Shinsengumi donc tu vas tu casses la gueule à tous les gens que tu croises parce que évidemment c'est comme ça qu'on résout les problèmes c'est rempli de racailles. T'arrives là-bas, hop, petite cinématique, le capitaine machin est mort hier, il faut aller voir pourquoi est-ce qu'il est mort. Ok, très bien. On sort du Shinsengumi. Il faut que j'aille me préparer à l'auberge. Hop, tu redescends jusqu'à l'auberge. Tu désenchantes le jeu. C'est réel, mais c'est pas comme voilà. ça. En fait, ce qui fait le sel de ce jeu, c'est ce qui fait le sel des autres Yakuza. C'est que t'as vraiment tout un tas de quêtes secondaires aussi absurdes qu'amusantes. T'as énormément de porteurs. Énormément de choses à faire dans les restaurants. Il y a les gaijin qui découvrir. Il y a les gaijin qui sont perdus et qui parlent à un sumimasen. En fait, grâce à l'écriture des quêtes annexes qui sont hilarantes, avec, je le salue, une traduction aux petits oignons. C'est-à-dire que moi, je joue en japonais avec les textes en français. C'est super bien adapté. Vraiment. Les mecs mettent des blagues et tout. Enfin, c'est très, très bien. Il y a à la fois des refs à la pop culture japonaise. Il y a des refs à la France. Ouais. Il y a des refs à Yakuza, évidemment. Je crois qu'il y en a un qui dit à un moment, il faut travailler plus pour gagner plus. Tu vois, t'as ce genre de blagues. T'as plein de choses qui sont vraiment marrantes. Non, c'est... Voilà, c'est ça. À un moment, t'as un gars qui dit « Ouais, mais je veux pas travailler, je ne veux pas... Je préférais quand c'était l'ancien shogunat, j'en ai marre du changement. » Et le héros lui répond « Le changement, c'est maintenant. » Tu vois, donc t'as plein de petites blagues comme ça qui fonctionnent bien.
Et non, non, vraiment, je félicite l'adaptation française qui est de très haute volée. Et il y a beaucoup de choses qui sont très drôles. C'est un jeu qui est vraiment très amusant. Mais le cœur ludique lui-même, en fait, tu joues pas avec le jeu, tu joues de tout ce qui te propose autour. Parce que le jeu en lui-même. Ce qui est le propre de la série maintenant. Hein, c'est... Ah, je suis pas d'accord. Parce que les systèmes de combat, notamment dans le 4, qui reste mon préféré, sont quand même un peu plus. Un peu plus jeuifié, on va dire. Pareil pour la ville de Kamurocho, qui est quand même vachement plus grande. Ou même si tu fais des allers-retours. Vachement plus grande. Ah oui, c'est plus grand. Et puis il n'y a pas qu'un seul passage à passer pour passer du nord au sud. Ça, c'est vrai que l'artère qui fait la jonction entre les deux parties de la ville est toujours fumée. C'est pas. Donc t'as beaucoup de quartiers différents. Non, vraiment, il y a un problème d'échelle dans ce jeu. C'est-à-dire que le jeu est construit comme un Yakuza moderne, avec beaucoup d'allers-retours, sauf que tu as trois lieux. Donc tu fais l'aller-retour entre trois lieux. Et bon, aussi, tu as quelques missions quand ils t'envoient au quartier des plaisirs ou au quartier des pauvres. Mais le quartier des pauvres, il fait 200 mètres carrés. C'est un terrain vague. Donc j'ai passé un très bon moment, mais on est quand même en dessous de ce qu'a proposé Like a Dragon. Si je peux me permettre, désolé Daniel, toi tu insistes sur la qualité des quêtes secondaires, moi j'insisterais vraiment sur la qualité de la quête principale. La quête principale, c'est vraiment la différence. L'histoire, elle est incroyable. Si tu t'intéresses en plus à l'histoire japonaise, et en plus quand tu l'as étudiée à la fac comme nous, c'est vraiment transcendant, quoi. Faut rappeler, on rappelle la base, hein, quand même. C'est quand même un membre. Alors, c'est. Il personnifie avec les personnages de la galaxie Like a Dragon des figures historiques. C'est comme s'il faisait un Like a Dragon, mais avec D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Là, en l'occurrence, Kiryu, il incarne Sakamoto Ryoma, qui est déjà une figure emblématique et historique du Japon. C'est un des plus grands. Samouraï, mais en même temps moderniste du Japon, et qui va infiltrer le Shinsengumi, autre figure emblématique de l'époque. Donc il y a vraiment un vrai anachronisme absurde, mais en même temps c'est de l'ordre du pourquoi pas. Et il intègre en plus sous le titre du plus célèbre, qui est Hajime Saito, qui d'ailleurs a eu son équivalence dans Kenshin, comme tu sais, et le dessin animé. Et du coup, on a vraiment des anachronismes et des choses assez réjouissantes de voir que tout d'un coup, des personnages qui étaient morts dans Yakuza 2, dans Yakuza 3, reviennent ici faire des rôles importants. De la figuration. De la figuration, même des rôles importants. En plus, ils ont utilisé un peu du background de Yakuza, des autres Yakuza qui sont sortis depuis, surtout de Yakuza 0, en fait, pour le complexifier. Il y a des acteurs qui ont été complètement modifiés, puisqu'ils ont intégré ceux de 0, alors qu'ils avaient pris des acteurs lambda pour le jeu original. Et ils se sont dit, on a quand même un cheptel d'acteurs assez intéressant, on va prendre là-dedans. Donc ils les ont refait jouer la comédie. Mais l'histoire est passionnante parce qu'il y a une vraie intrigue politique et avec des vraies références historiques sur, par exemple, la prise d'assaut de l'Isakaya, qui est quand même vraiment un moment fondateur quand même de l'émeute et aussi de révolution. Faut s'accrocher avant la restauration quand même, Meiji, parce que même le glossaire n'est pas ouf. La présence d'un glossaire, il a 10 thèmes à faire tourner en boucle, 10 termes, et c'est difficile quand même de se repérer. Et le glossaire n'est pas ouf, il aurait pu être meilleur. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est les différents personnages. Tu sais, la fresque avec tous les différents personnages, puisqu'elle est mise à jour au fil des chapitres. Oui. Et entre chaque chapitre, t'as un récapitulatif qui est très important. Et même, tu comprends les différents liens, parce que le Shinsengumi, il y a au moins 12 capitaines. Donc, pour savoir qui est qui correspond à quoi, et où est-ce qu'il en est dans ta propre histoire personnelle, c'est bien d'avoir ça. Il faut savoir en plus que, évidemment, il va y avoir des twists. Il y a des gens qu'on croit qui sont certaines personnes, et en fait ils ne sont pas certaines personnes, et quand tu t'es habitué pendant 15 heures à connaître leur prénom, ou à connaître leur équivalence, parce que c'est des équivalences t'es pas obligé de connaître le nom qu'ils avaient dans Yakuza, mais par contre au moins dans ce jeu-là, et ensuite que tu te rends compte que c'est pas leur vrai nom, c'est pas leur identité, du coup ça twist sur twist sur twist, mais c'est passionnant, et honnêtement si tu t'intéresses à l'histoire du Japon, on l'a dit dans le Sumasen Turbo, vraiment ça vaut le coup, et en plus si tu te documentes à côté, ne serait-ce qu'avec le Wikipédia du Shinsengumi, petit relan patriotique quand même régulier. Le Shinsengumi, c'est des gros nationalistes. Ouais. Et c'est même sur la fin du. C'est quelque chose qui a été changé. Ils les ont rendus vachement plus sympathiques. Mais c'est aussi l'histoire des vainqueurs qui réécrivent l'histoire. C'est-à-dire que, comme c'est un peu eux qui ont triomphé, l'empereur est revenu. Il y a quand même des paradoxes qu'ils utilisent. Et surtout, de toute manière, les modernistes et ceux qui voulaient s'ouvrir en Occident sont vus comme des
au moins des lâches, sinon des salauds, quoi. Ils sont vraiment présentés de manière ultra caricaturale, mais encore une fois, c'est un peu... ils jouent avec l'histoire, ils se font des personnages. L'histoire est ce qu'elle est, hein, c'est, elle est dans les livres d'histoire. Tu sais, ça date d'il y a plus de 200 ans, mais ça reste un gros traumatisme national. L'arrivée des bateaux noirs, qui est évoquée. L'ouverture obligatoire au Japon. Et aux Hollandais, et ensuite les Britanniques sont vraiment représentés comme le diable en personne. Ou ils sont bêtes, ou ils sont diaboliques. Et il y a un truc qu'il faut que je dise, c'est qu'il y a une scène qui a été enlevée. C'est la toute dernière scène. Alors je peux entre guillemets la raconter parce qu'elle ne spoil rien et elle nous renvoie au temps présent et en fait à un enfant. Alors si vous voulez skipper deux minutes, si vous voulez pas connaître cette scène qui n'est présente que dans le jeu PS4 et donc pas dans la version pas dans la version. Je mettrai un petit time code. Tu mettras un time code, attention, voilà, c'est bon, vous êtes prévenus, c'est une séquence de 30 secondes. Ouais, mais c'est une séquence c'est la séquence où comme quand tu vois Thanos à la fin des Avengers, non, elle n'existe pas dans notre version Alors c'est pas du tout c'est pire que ça. C'est-à-dire c'est dans le monde contemporain, c'est un papa qui montre à son enfant la statue de Sakamoto Ryoma joué par Kiryu, il dit « Ah, c'est la grandeur de notre pays, c'est un truc un petit peu national-nationaliste, un peu au moins Japon-centriste. » Même globalement, le propos sur la fin, c'est un peu ça aussi. Quoi. Oui, mais c'est normal, tu réécris l'histoire, ça a été adouci pour Le Shinsengumi, c'est pas des enfants de cœur, c'était des assassins, c'était des mecs qui foutaient le feu à des ryokan parce qu'ils n'avaient pas leur place, c'était des gens qui... Un petit côté Saint-Barthélemy là-dedans. Hein. Tu doutes du gouvernement, machin, on va te zigouiller. Quoi, mais... Et surtout qui s'entretuent entre eux. Et ça, c'est impropre quand même des trucs extrémistes au Japon, qu'on voyait aussi dans les communistes dans les années 60, contemporains, j'entends, dans les années 60, ou alors ici, c'est-à-dire que le moindre traître, il est puni. Même pas traître, soupçon de traître. Soupçon de traître. Tu as moins applaudi que la dernière fois. Douterais-tu de notre, et notre puni, cause et... Non, je vous jure. Et ça rejoint un peu ce qu'on racontait dans d'autres émissions, peut-être, je ne sais pas, sur le fait que les extrêmes au Japon, souvent, sont radicales, et il faut être plus radical que radical, et donc tu punis les gens qui sont pas assez radicaux. Il y a beaucoup de scènes de gens. C'est quand il la rentre dans le jeu. De gentille nudité. Recentrer un petit peu sur le jeu, Daniel, toi, t'avais fait l'original à l'époque sur PS4 et tu nous disais dans ce Mimassen Combo que voilà les changements. Toi, tu les trouvais un petit peu superflu. Je déteste tous les changements. Les principaux changements, on va dire, c'est la possibilité d'intégrer le système de cartes beaucoup plus facilement qu'avant. Alors, les systèmes de cartes qui apparaissaient que dans le donjon, désormais sont intégrés au jeu, donc du coup... Ça le rend plus facile. Complètement. Tu parlais des difficultés de se soigner, tu as des accès aux soins facilement. Surtout je parlais pas de me soigner, je parlais des boss qui étaient abusés. Ouais. Mais là, oui, effectivement, une fois que t'as les cartes, des fois, random, hop, tu balances un éclair. Je suis très content d'avoir Yuji à chaque fois, le pauvre. Donc ça, les cartes, toi, ça te paraît un peu trop abusé. Je trouve ça abusé parce que tout d'un coup, ça me met des Kamehameha et des Hadoken dans un jeu qui ne devrait pas en avoir. Alors, c'est vrai que t'es dans ton trip samouraï et d'un seul coup, tu balances des éclairs, c'est bizarre. Et là, tu rejoins Daniel. Et tout d'un coup, il y a des trucs ultra abusés. Alors, si c'était que des buffs ou des machins, mais là... Il y a, en plus, avec les DLC, tu peux avoir une poulet qui les attaque, tu peux avoir un team je te disais, mais ça, c'est le côté débile des Yakuza qu'on aime bien. Là, on est quand même dans un trip historique. Et t'avais des Roombas qui t'agressaient, quoi. J'aurais voulu plus de nouveautés, genre, mettez-moi plus de mini-jeux liés à Yakuza, adaptant les courses de voitures automatiques du zéro, je sais rien. Plein de choses. Mettez-moi un jeu de gestion. Les combats de quatre choses. Mettez-moi un jeu de gestion. Oui, il y a plein de mini-jeux, cela dit. Hein, il y en a déjà pas mal. Ouais, mais il n'y en a pas plus. Il y a un jeu de course de poulet qui est vraiment hilarant. Et j'ai gagné une somme folle depuis que j'ai compris le système. Mais il n'est pas Kiwami du tout. Il est Kiwami pour les étrangers. C'est-à-dire, il existe maintenant pour les étrangers. Je suis ravi que tout le monde puisse y jouer. Mais j'aime pas la version qu'ils ont faite. Et j'ajoute aussi, j'aime pas le respect dans lequel il est fait. C'est-à-dire, évidemment, les auteurs originaux du jeu ne sont pas crédités. C'est-à-dire, Nagoshi et tout ça n'apparaît pas. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention, effectivement. Moi, je l'ai pas fini, donc j'ai pas vu le générique. Mais va jusqu'au bout, c'est super. Ah, mais je crois. Ouais, la fin est passionnante. Et honnêtement, j'avais plein de jeux à faire. Bon, évidemment, je savais qu'il y avait des missions, donc je me suis dit, il faut que j'aille au bout. Mais c'était un véritable plaisir. Ça n'a pas été un calvaire. Ah non, ça n'a pas été un calvaire. Ah non, c'est super. Même si
se taper tous les allers-retours. Il faut booster le sprint et il faut faire en sorte qu'il ne fatigue pas après 30 mètres de course. Il faut utiliser les porteurs à fond. Ouais, après, il y a le côté immersion. Déjà que je fais beaucoup de taxis. Ah tiens, un autre reproche. Je trouve que la forge, c'est beaucoup trop cher. Ouais. Et ça donne, les matériaux sont beaucoup trop rares. Ça demande beaucoup trop de travail pour le peu que ça t'apporte. Ouais. Contrairement au jeu original, le jeu est beaucoup plus généreux dans les super lames. Oui, parce qu'il te les file quand tu bats les boss et ça te met à niveau. Je me retrouve avec une épée niveau 800 et tout. Oui, voilà, c'est heureusement qu'il y a ça. Mais sinon, tu peux toujours cheater n'importe qui avec le gun. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de manières de gagner. Toujours les interactions avec le de décor. De manière aussi. Très, très lâche, hein, faut le dire. C'est pas très honneur samouraï, hein, quand même. Bon, messieurs, Famitsu Mega Sen, c'est l'heure de mettre une petite note, un petit verdict sur Like a Dragon Ishin pour remplir le beau tableau qui nous attend. Oui. Daniel, on va commencer par toi qui avait la valeur historique. C'est lui qui est en haut, hein, surtout. J'espère qu'on alternera le premier à chaque fois. Bien sûr. C'est un de mes préférés, c'est un de mes épisodes préférés, donc je lui mettrais 10. Je trouve que l'adaptation est nulle. Ah, la kiwamisation. La kiwamisation est nulle. Donc, moi, avec la kiwamisation, j'aurais mis 6. Le premier 10 de l'histoire non, de Sumi non, avec la... déjà, non, non, déjà. Non, 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 j'aurais mis 10. Ah, j'aurais mis 10. Avec la kiwamisation, je la trouve nulle et je lui mets 6. Donc, je fais la moyenne des deux. Ah, oui. La moyenne des deux, je mets 8. Voilà. Très bien, 8. Greg, toi, tu n'as pas encore fini le jeu, mais bon. Non, j'ai pas fini le jeu. T'as quand même vu l'essentiel à partir du chapitre 7. Et je mets 7. Je mets 7 parce que les défauts n'entachent pas suffisamment les qualités pour passer un bon moment. C'est-à-dire, tu pestes sur le jeu en disant « Ah là là, ils sont embêtants ces Japonais à nous faire faire des allers-retours. » Mais derrière, tu kiffes parce que... Parce que t'as le jeu de geisha. Non, voilà. Non, mais sur... j'ai pas creusé le jeu de la geisha, mais... derrière, t'as le karaoké. Derrière, tu croises un gars qui s'est fait péter la gueule, qui dit « Ouais, un jour, je serai un justicier. » Donc, tu lui amènes de la pommade. Enfin, voilà, tous ces trucs un peu idiots. Le jeu de potager, le jeu super, de potager, il est génial. La cuisine, c'est sympa. Donc voilà, 7. Ça manque juste de plus par rapport au jeu original. J'aurais adoré avoir un jeu de gestion. Et puis les graphismes, ils sont top. Enfin, la dépaysation, elle est géniale. Enfin, les cinématiques sont très belles. Ouais. La conversion n'est pas ouf. Hein. Il y a beaucoup de bugs pour un. Oui, moi j'ai beaucoup de bugs d'affichage. Attention, la fin game, c'est vraiment. Moi je suis sur Xbox et c'est nickel. Ah. Tout s'explique. C'est la supérieure. Voilà. Non, mais sur Xbox Series X, ça tourne parfaitement. Pas de temps de chargement. Je vois vraiment les limites de l'Unreal Engine, justement, avec les affichages décalés dès que tu sors d'une scène. C'est bien connu. Que Dragon sur Sony, jamais. Ça n'a jamais été une plateforme d'accueil. Eh bien, moi je mets 7 aussi, pour à peu près la même raison que tu as cité. Du coup, moi je suis le meilleur noteur alors que j'ai trouvé que la version était vraiment la plus bonne. Je garde le 8. Note par rapport. Je garde mon 8. 8-7-7, ça fait quoi? Ça fait 14, ça fait 22 sur 30 pour Like a Dragon Ishin. Il est juste au-dessous de Engage. Engage qui a 24 sur 30. Est-ce qu'on parle quand même du deuxième jeu qu'on a en commun? Ah bah si tu veux, avec grand plaisir. T'es très oui, Final Line Bar. Toujours le nom le plus nul, mais toujours... jeu musical légendaire qui est de retour. Et alors, là je me permets de prendre tout de suite la main. Je me disais, en commençant, le tactile me manque, le tactile, c'était toute ma vie, qu'est-ce que je vais faire sans tactile? Au bout de 40 heures de... Et ben je vous avoue que ça passe crème. Hein, heureusement, les diagonales, tu t'en fous, voilà. Mm. Oui, heureusement que ces raccourcis existent. Voilà, pro tip, les diagonales n'existent pas quand c'est haut gauche ou haut droite, c'est haut. Donc voilà, ça peut vous simplifier un petit peu la vie sur certains trucs. Mais le feeling est toujours là. On parlait du rapport. Je vais encore parler du rapport tactile, ça va rentrer dans le logo de Sumimasen, un de ces quatre. Le rapport tactile au jeu. Mais là, vraiment, la moindre note que tu valides et que tu valides bien, t'as vraiment cette sensation, cette pulsation. Tu es dans la zone avec ce jeu. Comme disait Marseille, là, on va pas à nouveau mettre en exergue 385 chansons au minimum, mais nous on a la version de luxe. Il y a le DLC de Live Alive avec qui vient d'arriver. On parlait de Megalomania dans Sumimasen Zero, tu peux y jouer directement, quel plaisir. Et vraiment jeu extraordinaire et surtout d'une richesse. Enfin, je veux dire, tu peux y jouer 100 heures. Les compositions d'équipe pour accomplir les différentes quêtes. Et à deux, j'avais un ami commun qui était chez moi sur mon canapé il y a pas si longtemps et on jouait à deux. C'est très reposant parce qu'il y en a un qui prend le haut et l'autre qui prend le bas. Oui, quand tu joues en duo, on l'a
fait aussi dans ce milieu scène combo, et enfin, c'est, ça permet et c'est très reposant, du coup ça te permet de dire ah je réussis mon ultime avec le mode en ligne pour te faire humilier par les japonais tu te fais marcher dessus mais tu récupères quand même les surtout tu récupères les pierres magiques et tu récupères genre et des pierres globalement, qui font plus 80% d'XP. T'as 400 chansons et les patterns ils sont quand même convaincants pour la plupart, c'est difficile d'avoir des patterns intéressants pour les différents modes de stratégie de personnage aussi. C'est vraiment quel super jeu. Vraiment. Bah oui, mais c'est comme l'autre, quoi. Et c'est comme l'autre. Bah ouais, moi ça m'a... C'est comme l'autre, mais avec des patterns différents parce que si tu joues, parce que c'est tu joues avec les boutons. Et moi, je trouve que c'est pas réussi. Ah. Ah. Moi, je trouve pas ça instinctif. Ah. Moi, j'ai moins joué que vous, j'ai joué qu'une quinzaine d'heures. Mais c'est déjà bien pour un jeu musical qui fait tac, tac, tac. Les doubles directions, je trouve ça complètement anti-instinctif. Ouais. Je trouve pas ça aussi satisfaisant qu'au style. Voilà. Et moi je vous suis pas, et en plus j'aime pas la sélection des musiques qu'ils ont fait. Alors, c'est le point faible. C'est-à-dire c'est le point de la Discord. Que tu sens que tu sens qu'il faut faire plaisir à Yoshida, donc il y a 45 chansons de FF14. Et pas les meilleures. Et voilà, FF11 qui a autant, sinon plus de morceaux, il a que 17 morceaux. FF15, il manque plein de morceaux emblématiques. Pareil, FF7, alors il y a le 7, il y a le Advent Children, il y a le FF7 Remake, enfin voilà. Alors, quoi, tu sens vraiment que FF7 Remake, par contre, c'est plaisant. Non, FF7 Remake, ils ont mis la dose. Oui, mais t'as beaucoup de fois, tu vois. Ah oui. C'est les réorchestrations. Non, mais Big Bridge de Final Fantasy V, tu l'as dans 4 versions différentes, alors que t'as pas le thème de Lena, par exemple. T'as pas le thème de Lena et t'as pas Isoge, Hurry, Hurry. Voilà, c'est qui ça. Qui, pour moi, les deux meilleures musiques de Final Fantasy à ce jour, et donc de FF5. Elles ne sont pas dans le jeu. Voilà. Et il n'y a pas ça, mais par contre, faut que je leur dise, il y a les deux musiques du meilleur Final Fantasy qui est sorti depuis 10 ans, à savoir Stranger of Paradise. Ouais. N'exagérons pas. Non, mais par contre, les musiques de Stranger of Paradise, le thème principal, pimp, pimp, ouais, pimp, ouais. Pimp, pimp, il est ouf. Il n'y a pas Fly Me to the Moon Non. En DLC peut-être. Voilà. Bon, et on rappelle qu'il va y avoir encore plein de chansons venues des Xenogears, venues de Chrono Trigger. Ah, venues mais, de plein, mais oui. Ça va être plaisant. Bon, après, elles viennent 4x4, donc on n'aura pas forcément. Mais sur un an. Et tu peux pas y jouer en mode quête. Sur un an, et il y a un dernier DLC qui est pas encore annoncé. On prend, de toute façon, c'était inclus. Mais par contre, on prend si on est marqué en mode pigeon, c'est-à-dire. On prend si on est marqué en mode créateur de contenu, c'est ça aussi. Voilà. Hein. C'est vrai on a quand même accès à la version full gratuite. C'est vrai que si tu commences à réfléchir à te dire c'est 90 balles. Alors moi, je peux te dire un truc, si j'avais été un consommateur lambda, je l'aurais acheté parce que. Oui, quoi qu'il. Ouais. Parce que c'est Fetarism et il sort pas tous les jours. Ouais. Et genre, je serais prêt à le faire dans toutes les versions. Quoi. Bon, la petite note Famille Mitsumi Masen Turbo pour Theatrizer. Moi, je suis désolé, hein, c'est 5. Ah ouais. Ah ouais, je suis. Putain, la violence. Eh ouais. Ah non, mais moi. On me met mes bonnes musiques. Il va falloir que je compense. Voilà, c'est ça. Comment ça? Ah ben non, tu notes pas en fonction des autres. Non, moi je mets 5 parce que j'ai vraiment été déçu d'une part par l'abandon du tactile. Je comprends la raison qui est derrière, le fait qu'on change de machine, etc. Mais je ne suis pas satisfait par les choix qui ont été faits pour compenser l'absence du tactile. Moi ça m'allait. Moi c'est ma surprise au début quand j'ai joué à la démo. Quand j'ai joué à la démo, j'ai dit ah nique ça, c'est zut flûte. Bah nique ça la DS grecque. L'artiste. Très bien. NXA, voilà. Mais voilà, mais le truc c'est que ouais non, j'étais déçu et en fait ça allait. Moi c'est vraiment le choix des musiques très spécifiques sur FF14. Et sur FF5 qui me déçoit vraiment de l'ordre personnel. Et FF4, ça va. FF4 au moins, ils ont pas loué FF4. Alors mais j'hésite parce que... Allez, faut se lancer. Je peux pas mettre 7 à un jeu auquel j'ai déjà passé 25 heures. Bah pourquoi c'est... Hein. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Toi, tu mets combien Pouilleux? Moi, je mets 9, voilà. Ah ouais, ah ouais, non, pour moi, c'est l'un des plus grands jeux musicaux qui soit jamais sorti. Écoute, je mets 8, mais c'est un 8 méchant parce qu'ils n'ont pas mis les mêmes musiques à moi, quoi. 9, 8, 5, ça fait du 22 sur 30. C'est bien, c'est bien. C'est tout à fait honnête. J'ai déjà oublié la note de... Et n'oublie pas... C'est pareil. Et n'oublie pas, FF16 sort bientôt. C'est vrai. Là aussi, on aura l'occasion d'envoyer des notes. De toute façon, on reviendra un petit peu parce que là, il y a eu une telle farandole de jeux en mois de février qu'on n'a pas eu le temps forcément à consacrer. Chacun a dû faire des choix. Ouais. Et voilà. Bah, il y a des jeux qu'on a en commun.
Oui. Ah, lequel? Bon, on va commencer peut-être par Weinhardt. Oui. Ah, là aussi, il y a débat entre nous deux, mon cher Greg. J'ai pas aimé, moi. Bah ouais. En fait, je reconnais que c'est un bon jeu, mais c'est pas un jeu pour moi, quoi. Je le trouve mou, je le trouve foutraque. Les caméras, je supporte pas. Le héros, t'as l'impression qu'il se prend les pieds dans les racines. Enfin, j'aime pas la manière dont il se déplace. J'aime bien ça. J'y arrive pas. Les... Le jeu de chasse, hein, donc de Koei Tecmo, édité par Electronic Arts, à la surprise générale. C'est Tokiden 3. Que Koei Tecmo a réussi à faire financer par Electronic Arts. Et alors, tu sais quoi, quand je vois les graphismes d'un jeu comme ça et je vois le genre, l'univers, le truc, je me dis, c'est un jeu Puyo. Genre, il y a marqué ton nom dessus. Non, mais c'est un jeu de chasse. Mais moi, j'ai pas. Alors, déjà, les jeux de chasse, c'est pas trop mon truc. Et celui-ci, qui était censé être beaucoup plus abordable qu'un Monster Hunter, etc., etc., effectivement, il est abordable jusqu'au moment où tu commences à taper les boss. Et les boss, moi, ce qui m'emmerde dans ce genre de jeu, c'est que tu peux pas jouer seul. C'est-à-dire que si t'es seul, c'est vraiment des gros sacs à PV, les trucs. Ah bah oui, non. Et t'es obligé de grouper, t'es obligé d'attendre qu'il y ait des mecs qui soient là. Alors, évidemment, il y a souvent des mecs qui sont là, c'est bien. Mais j'ai pas compris le. C'est le genre de jeu sur lequel il vaut mieux jouer sur une console Sony parce qu'il y aura plus de mecs, évidemment. Mais Lutin, c'est le meilleur jeu du monde. Non, c'est le meilleur jeu du monde, tu ne vois pas. Pour Puyo, c'est le meilleur jeu du monde. Honnêtement. Moi, j'ai pas été convaincu. Mais je sais que c'est un bon jeu, mais c'est vraiment pas pour moi, quoi. Je regrette de pas avoir eu le temps, mais j'ai l'impression que ça demande beaucoup d'investissement. Et moi, j'ai recommencé Monster Hunter Rise juste sur HD, juste pour voir. Et je suis pas prêt à. Je peux pas chasser plusieurs lièvres à la fois. Pas chasser plusieurs sangliers à la fois. Ouais. Mais c'est lui le fameux sanglier de l'émission que précédente. Tu renvoies dans ses pénates à chaque fois. Mais eh bien, j'adore. Ouais. Voilà. Honnêtement, toi, je m'attendais pas à avoir un tel coup de cœur. Je le trouve très très souple. J'adore l'idée de construire, que ce soit pour affronter les monstres ou simplement pour modifier ton propre terrain. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas construire va être permanent dans ta propre session de jeu. Ce qui fait que quand les joueurs invités vont venir chez toi, ils vont voir un petit peu comment toi tu as aménagé la façon de te déplacer dans les différentes zones de jeu. Alors c'est vrai que t'as le fast travel qui te simplifie aussi la vie. Mais les campements, c'est toi qui vas les placer, tu vas les placer où tu veux. Donc c'est-à-dire que si t'as envie de farmer un tel ou tel monstre, tu peux placer ton campement pas loin du monstre en question. Et t'as tout un système de tyroliennes, et surtout t'as tout un système, donc c'est le karakuri qui te permet de matérialiser des blocs et des obstacles qui vont te permettre de frapper le... les différents monstres. Alors voilà, il n'y a pas que des sangliers, hein. Il y a des gros singes, il y a plein de variantes. Et tu m'as dit qu'il n'y avait pas tant de variantes. Non, des sangliers rouges, des sangliers verts. Le vrai problème du jeu, au-delà de la difficulté qu'il y a à s'approprier tous les systèmes, parce qu'il te noie très très vite sous la construction, comment bien construire, quelle boîte mettre, la forge, les bains, le village principal. D'un côté, il peut être très très souple quand il s'agit de rejoindre une session, d'en créer une, de te faire accompagner de deux autres joueurs, parce que c'est trois joueurs maximum. De l'autre côté, il t'ensevelit quand même d'informations au départ. En plus, c'est que des termes, les kimonos, le karakuri, le fil, le machin. Bon, c'est pas toujours évident à prendre, à appréhender comme ça, mais une fois que t'as toutes les composantes, ça marche très très bien. Le vrai souci du jeu, honnêtement, c'est son faible nombre de monstres. C'est-à-dire que. Il y a 20 archétypes. T'as 10 typologies de monstres qui vont être dérivées en 10 versions un peu vénères, comme ce Tegle Royal empoisonné. J'ai déjà vu 3 fois, j'ai l'impression, là, aujourd'hui. Et du coup, même s'ils ont des patterns un peu différents, même il y en a qui crachent du feu, il y en a qui dansent de la glace. Ils n'ont pas eu le temps de construire un lore comme Monster Hunter. C'est ça, la première brique de ce qu'ils aimeraient construire au fur et à mesure. Alors, vu que le succès n'a pas l'air forcément au rendez-vous. Bah, il a été marketé. Il n'y aura peut-être pas un Tokiden. Déjà, Weinhardt, voilà le mot pété. Je pense que tu aurais dû mettre au moins le mot chasse. Wild Hunt. Ah bah non, c'est comme The Witcher. Bon bah tu te débrouilles. Savage Hunters ou Tokiden Hunters ou j'en sais rien, Karakuri Hunters. Voilà, c'est tout bête. Ou Sumimasen Hunter. Ils en auraient vendu des millions. Mais regarde là, quand tu te jettes sur la gueule. Mais je suis d'accord, c'est satisfaisant. La double mais nuance ce qui est pas satisfaisant, c'est que les monstres, le fait d'avoir toujours des items de soins quand les monstres s'enfuient, c'est un peu relou, surtout le sanglier qui est spécialiste de la fuite. Ils essayent de rallonger la durée de vie, mais en faisant que dès que tu lui as tapé la patate, faut lui courir après et c'est pénible. Donc on n'a pas encore la note de Daniel qui va peut-être se lancer. J'espère que je lui aurai donné envie de partir. Ouais, bah écoute, bientôt j'ai 10 joueurs d'avocat sur 8 et 9. C'est dire à quel point j'ai le coup de cœur. Peut-être 8 à cause du faible nombre de monstres. Pour moi, on est entre le 6 et le 7. Parce que je reconnais que c'est un bon jeu, mais que c'est pas un jeu pour moi. Bon, eh bien, on aura peut-être l'occasion de compléter le tableau. Il y aura peut-être l'occasion de compléter le tableau sur un autre jeu qui vous lie, tous les deux, messieurs. Oui. Ah, je sais que c'est un JRPG. C'est un JRPG polémicou. Polémicou. Ah, bah ouais, il est polémicou. Victor. Bah, polémicou, mais tu veux bien sûr parler d'Octopath. Octopath Traveler 2 qui est disponible sur Switch depuis quelques semaines. Qui est à la fois méga beau,
méga enthousiasmant, c'est vraiment enthousiasmant, c'est comme le premier, genre on a envie de l'aimer, on a envie de découvrir tous les personnages. Il est méga fatigant, c'est exactement les mêmes problèmes. Si vous aviez, alors si vous avez adoré le premier, c'est vraiment, c'est facile. Qui a adoré le premier déjà? C'est vraiment, non mais il y a des gens, il a eu hein, il a eu son succès en plus, ouais, sur 10 heures, ouais. Non mais oui, non mais même je crois qu'il est sorti sur Game Pass, il y a certaines personnes qui y ont joué, mais si vous avez aimé le premier, allez-y, c'est vraiment la même chose. Mais alors, c'est bien le problème. Si vous, mais alors, si vous avez été emmerdé par des certains aspects, ennuyé. Ce qui est mon cas, hein, je vous le cache pas. J'ai au bout d'un moment, les personnages qui font une équipe, mais qui se parlent pas entre eux. Mais alors, on m'avait promis qu'ils s'entrecroisent. Se joindraient. Il y a parfois plus d'interactions. Il y a parfois des histoires où ils se croisent. On m'aurait menti. Ouais, bah, on a survendu le truc quand même. Ah bah oui. Parce que tu peux jouer 15 heures, tu peux jouer 20 heures, tu peux jamais ils s'adressent la parole. Plus que, c'est vraiment très artificiel. Ils se retrouvent au bord d'un chemin, ils font ah, j'ai besoin de compagnons pour aller là-bas, on y va? Oui, ok. C'est vraiment ça. Et moi, j'ai besoin, c'est peut-être moi. T'as besoin de liant. J'ai besoin de camaraderie, en fait. J'ai besoin de sentir que c'est des poteaux ou qu'ils vont lier d'amitié. Enfin, c'est un peu la base du. Un des clichés des JRPG. Soit t'en fais des vaisseaux vides, comme dans les Dragon Quest 3 et autres, voilà, où c'est toi qui vas leur donner de l'incarnation. Ouais. Mais là, ils ont chacun leur scénario propre. Ouais. Et leurs scénarios sont bien, en plus, individuellement. Alors, mais au bout d'un moment, quand t'arrives au 8e scénario, donc la 8e Origin Story, parce que moi, j'aime bien avoir toutes les origines avant de me lancer dans les quêtes à proprement parler, c'est exactement la même chose. C'est des points sur la carte, tu y vas. On te dit le scénario au niveau. Là, il faut être niveau 31. Mais si on dit que la construction est similaire. C'est village, donjon, retour au village, redonjon et terminé, quoi. Ouais, à peu près. C'est à peu près de choses près. Mais heureusement, il y a la téléportation pour aller d'un continent à un autre. Et ça, c'est vraiment pratique. Tu peux, une fois que tu as visité une ville, tu peux y retourner gratuitement. Tu peux y retourner quand tu veux, donc c'est facile. Mais par contre, et en plus, l'exploration est assez rigolote, hein. Oui, mais... t'as des bateaux maintenant, j'ai vu. Oui, t'as des bateaux, t'as plein de coffres cachés dans les décors, faut trouver des trous derrière les murs. Enfin, c'est sympa. La modélisation 3D, l'HD 2D est superbe et ça te donne envie d'explorer. J'adore le level design globalement, mais c'est très prometteur pour Dragon Quest 3. Mais par contre, vraiment, c'est les mêmes problèmes que le 1. J'ai l'impression, par moment, que le jeu m'a trollé, en fait. C'est-à-dire que, ah, t'as pas aimé des trucs dans le 1, on va te ressortir exactement la même chose. Et, par exemple, les ennemis qui ont du HP à ne plus savoir quand faire, pardon, excuse-moi. Bah, il faut les breaker. Et oui, il faut les breaker, mais quand tu les breaks. Quand t'arrives à 5 ennemis sur l'écran, là, et qu'il faut faire péter 5 breaks, et que tu loupes ton tour de break, et qu'il t'allume derrière, et ça demande de faire du setting, ça demande d'avoir le bon perso au bon moment, ça demande de rééquilibrer ton perso parce qu'il est en rade. C'est vraiment, c'est assez laborieux. Au début, ça va. Soit tu trouves les clés, donc en gros, tu regardes les solus, soit tu galères. Au début ça va, et en fait je trouve que pour les 20 premières heures c'est bien, mais on parle d'un RPG, honnêtement il y en a pour 50 heures j'ai minimum. Vu ça, ouais, c'est 60 heures, c'est très 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 long. Tu l'as fini? Non j'ai pas fini, bien sûr que non, parce que c'est trop long, et en plus il y avait Ishin et tous les autres et tout ça, mais je voyais très bien, et genre j'y jouais et j'y prenais plaisir. Les musiques sont géniales, vraiment c'est parmi les meilleures musiques en plus, Nishiki l'héritier. Non mais je veux dire Triangle Strategy, il a posé les bases là en termes d'ambiance et tout, et c'est vraiment, et en plus il y a vraiment un vrai héritage de tradition JRPG, mais un peu modernisé, puisqu'il y a des histoires vraiment dramatiques. Alors tout le monde dit inspiration Game of Thrones, c'est pas que ça, mais vraiment les histoires individuellement de chaque personnage. On retrouve évidemment la danseuse qui est à la fois assassin, des cas de prostitution, enfin tu vois, des cas de genre, il y a toujours c'est un jeu d'adulte entre guillemets, mais moi j'aime pas trop cette qualification, parce que tu peux faire un jeu d'adulte sans adulte, mais bon. Mais c'est un jeu, c'est un JRPG qui s'est posé des questions, mais je pense qu'en termes de mécanique il y a vraiment le problème de, on sent pas la camaraderie entre les persos. Moi en tout cas je la sens pas, j'ai l'impression, et je trouve que par exemple Live Alive qui est ressorti là a vraiment fait vieillir très vite premier Octopath. C'est à dire que Live Alive c'est des personnages séparés mais qui ont tous une histoire à raconter, tu la finis et après tu passes à autre chose, mais alors que là on te balance tout en même temps et personne ne se parle. Et j'ai l'impression d'être dans une équipe où les gens se parlent pas, et vraiment j'ai un vrai problème de ça. Il y a des petits skits, mais les skits c'est pas ça qui fait la base du. Greg, c'est ce que tu as ressenti toi de ton côté aussi? Moi j'ai pas assez joué, hein. J'ai à peine, je suis à la fin du premier scénario. Faut compter, moi pour l'instant, faut ça,
2 heures par début de scénario. Je pense que à 12 heures, t'as fini tous les arcs. Je suis au début, donc c'est encore le début de l'histoire. Ouais, c'est encore frais, tu vois, je dois être niveau 17, un truc comme ça. T'as commencé avec le prêtre qui est vraiment l'histoire. Qui est vraiment super. Je l'ai pris au pif et a priori, tout le monde dit que c'est un des meilleurs. En fait, chaque personnage en plus a sa personnalité, donc c'est une petite technique. Mais surtout sa personnalité, donc le prêtre, il fait des enquêtes policières, donc c'est un peu Sir Baskerville dans le nom de la rose, tu vois, c'est un peu ça. Et par exemple, il y a le mec qui fait du katana, il est un peu plus classico, je vais venger mon père qui m'avait promis le trône, et en fait, finalement, c'est mon frère qui a tué le roi. Enfin, tu vois, c'est des archétypes assez simples. Mais voilà, le problème pour moi, c'est vraiment de l'ordre de mécanique. C'est qu'au bout d'un moment, mon intérêt plafonne au moment où on me file des personnages quasi invulnérables. Pas invulnérables, mais qui demandent trop de travail et ça demande trop de... Je pense que les mecs qui adorent faire du setting dans leur JRPG, ils vont adorer. Moi, ça me... Tu peux pas suivre l'histoire de manière un peu paresseuse, quoi. T'es vraiment obligé d'y investir, c'est ça ? Et en plus, non seulement ça, mais en plus, voilà, si tu essayes de te fixer sur une histoire d'un perso, à ce moment-là, il faut faire du level up. Parce qu'il faut avoir le niveau suffisant pour avancer dans les chapitres. Et surtout, il faut avoir les bons persos avec le niveau suffisant. Vous me l'avez absolument pas vendu de toute façon. Je suis désolé. J'y vais tellement à reculons sur ce jeu parce que on m'a dit qu'il avait exactement les mêmes problèmes que le premier que j'ai finalement détesté. Et que je t'ai confirmé. Ah, tu vraiment t'as détesté ? Maintenant que j'y repense, je n'ai que des mauvais souvenirs de ce jeu. Et la musique est bien. Sauf la musique qui est absolument génialissime. Ouais, mais c'est déjà. Et c'est joli. Je déteste le rendu graphique. Ah ouais ? Spécifiquement dans Octopath Traveler, je le trouve trop marron, grisâtre. Ah ouais. C'est des choses auxquelles on avait échappé, notamment dans Live Alive. Ouais. Ah bah oui, ça c'est sûr que Live Alive a vraiment un cachet. Il est un peu plus coloré. Et j'ai hâte que Dragon Quest 3 mette un petit peu plus de couleur et de vie à ce que. Même Triangle Strategy, qui avait un peu le même problème, au moins c'était un peu plus rouge. Au moins c'était un bon. Ouais, jeu. mais au moins ça collait à l'ambiance globale. Mais ouais. Bon, est-ce qu'on a d'autres jeux en commun ? Oui, on en a un qu'on est en train de commencer avec Daniel, c'est Wolong Fallen Dynasty. On va pas forcément entrer. Malheureusement, dans le vif on va du pas sujet. Trop en parler parce que. Ah bah, au moment où on tourne, on vient juste de le commencer. On vient juste de le recevoir. On vous a fait un petit Tsumimasen Combo. Encore un jeu de sanglier. Voilà, encore le sanglier redoutable mais qui. Super kiffant. Pour l'instant, je suis en. Ah non, mais je suis pour en amour pour avec l'instant, ce jeu. C'est genre, il y a le. En fait, ça me rend compte. Je me rends compte. Plus j'y joue, je me rends compte à quel point. Sekiro me manque. Alors c'est plus Dark Souls ou c'est plus Ninja Gaiden ? C'est plus Sekiro, mais avec la vivacité de mouvement. Et avec vraiment beaucoup de Bloodborne, c'est-à-dire dans le fait du risk-reward, c'est-à-dire vraiment, tu dois risquer beaucoup de choses, notamment avec le Mikiri. Donc c'est difficile ? C'est difficile, mais c'est pas aussi gérable. C'est pas aussi légendairement difficile qu'on me l'a vendu. Ouais. C'est juste que la mécanique. Faut pas croire qu'on dit dans les médias. C'est pas du From Software. Quoi. Non, mais ça se base surtout sur l'esquive. Ouais. Vraiment, c'est ça. Donc, c'est comme si tu devais faire que des parades parfaites dans les Souls, sauf que la fenêtre, elle est quand même beaucoup plus claire, je pense, grâce à tous les signes visuels que dans les Souls. Ça s'affiche en rouge. Parce que t'as un rouge et t'as un éclair qui jaillit au moment où il faut appuyer ce qu'il fait. Quand tu vois le rouge apparaître, c'est qu'il va arriver. Il va arriver. Donc, tu vois l'éclair rouge et tu fais 1, 2, tac. Voilà. Et c'est assez rapide. Ce qui fait que. Puyo, il se débrouille vrai. Mais en plus que Puyo, le roi des jeux musicaux, il se débrouille vraiment. Bah, c'est ça, c'est que moi, avec ces signes visuels, la coordination œil-mouvement, ça passe. Et j'ai pas. Autant les parades parfaites dans les Bloodborne et les Souls, j'oublie parce que j'ai vraiment pas ce. Moi, j'ai pas le réflexe. J'ai pas ce réflexe lié à l'animation, mais par contre lié à l'interjection visuelle, on va dire, ça passe tout seul. Donc pour l'instant, j'ai l'impression de retrouver le feeling de Ninja Gaiden. Mm-hmm. Dans un Nioh, mais c'est un peu la continuité de Stranger of Paradise parce que c'est le même éditeur, sauf que t'as pas tout le côté un peu débilou de Stranger of Paradise. Là, c'est vraiment les trois royaumes, donc c'est quelque chose qui me parle parce que Dynasty Warriors, on en a forcément dit beaucoup de bien durant durant notre longue collaboration. Non, mais c'est vrai. Et du coup, là, pour l'instant, je suis qu'au troisième. Pour l'instant, troisième je kiffe monde, et donc, en plus. Moi, j'aime moins Nioh que tous les autres. Là, t'as pas la mécanique de qui. Ouais, il y a juste un truc que j'aime pas, c'est le loot. Ils sont très loot heavy. C'est-à-dire, tu récupères des bandanas et tu passes des heures à regarder quel est le meilleur bandana. Et il y a des bandanas qui sont. Tu veux dire comme dans Stranger of Paradise. Qui sont mieux contre le fait. Mais ouais. Stranger of Paradise, t'appuies sur un bouton et il te fait tout automatique. Ouais, et là, t'as pas l'optimisation de l'équipe. T'as pas l'optimisation. C'est dommage. Et ça, je trouve ça con parce que
pour un jeu qui distribue les armes et les protections par paquet de 12, t'as peut-être envie que ça soit automatique. Peut-être qu'on fera un petit aparté dans la prochaine émission pour un petit verdict final rapidement. Bah bien sûr, voilà, bien sûr. Pour dire ce qu'on en pense. Même sur Octopath, hein, on t'attend. Exactement, ouais, je sais pas si j'aurai le temps. Il y a encore un jeu ? Ouais, dis-moi. Forspoken ? Forspoken, ouais. Ah, moi, j'ai pas touché. Ouais. Et Forspoken alors ? J'ai 8 heures à Forspoken. Moi, je dois avoir. Non, un peu plus. Je sais plus. T'es à quel chapitre ? Oh, je suis pas arrivé loin parce que je me suis surtout baladé. Mais en fait, je me rends compte que la map est très très grande. Et alors. Tu veux que je te dise très très grande mais très très vite. Mais moi j'aime bien les MMO quoi. J'aime bien les jeux avec une map qui me donne de la place, du temps de respirer et pas qui m'inonde de. Alors oui et non. Qui m'inonde de sangliers mutants quoi. Oui alors ou oui alors mutantes. T'as pas beaucoup de monstres mais par contre c'est balisé. Ici tu vas avoir ton hôtel pour booster machin. Ici tu vas avoir ton auberge dire, pour booster la truc. Ce que je veux dire c'est que c'est un jeu qui clairement ne méritait pas le paquet de. Le goudron et les plumes qu'on lui a attribué. Non. Je trouve que il y a un truc qui fonctionne vraiment bien, c'est l'alchimie de l'héroïne avec son IA. Ah oui. Je trouve que moi ça me fait vraiment rien. Je trouve qu'elle est vraiment bien écrite en fait. Alors moi j'ai pas joué au jeu mais j'ai entendu que les gens râlaient parce qu'elle parlait tout le temps. Mais évidemment qu'elle parle tout le temps parce qu'elle a un peu. Mais c'est une astuce classique de avoir une IA à qui parler. Sinon le jeu est un peu triste et maussade et tu vois. Et sinon c'est un Assassin's Creed en fait finalement. Tu vas d'un point à un autre. Je trouvais que justement c'est pas mal écrit. Je trouve que c'est une personne qui a du chien. Juste elle dit beaucoup de gros mots, beaucoup plus que nous. Je tiens à dire. Et non, vraiment, je trouvais ça pas mal. Et je trouve la dynamique du combat est pas mal. La dynamique du parcours est vraiment très bien. La dynamique du parcours est pas mal. Et il y a juste un truc, c'est que... Je me demande sur quelle console ça sort. Je regarde ces fringues. C'est... croix, carré, rond, triangle. Ouais. Non, en fait, je pense, j'irai pas jusqu'à dire c'est le grand jeu de cette génération que tout le monde a boudé. Grand jeu maudit. Le grand jeu maudit, parce qu'il faut pas pousser non plus. Mais clairement, c'est pas plus nul que n'importe quel jeu. Je préfère ça à Horizon, par exemple, tu vois. Ah, parce que... Honnêtement, je le mets un peu sur le même... C'est un peu le même niveau, mais... Même niveau d'open world qui me parle peu, quoi. Ouais, alors, pour un jeu qui me parle peu... Alors là, est-ce que c'est le syndrome jeu cinématique ? Il essaye vraiment de développer énormément de lore. Peut-être qu'ils sont trop contents d'avoir Amy Hennings et Gary Whitta dans l'écriture de lore. Mais... Ouais, j'aime bien la mécanique des sortilèges, c'est un peu Hogwarts Legacy qui s'ignore. Alors je connais pas. Mais j'ai l'impression qu'ils proposent exactement le même schéma de jeu pendant 20 heures. C'est les loops. Et après, avec des sorts un peu plus impressionnants. Et genre parfois il y a des mini-jeux genre ah il y a un chat, il faut attraper le chat. Ouais. Ça doit te parler. Il y a genre des labyrinthes, je te jure, il y a marqué des labyrinthes et c'est juste aller tout droit. juste des labyrinthes. Tu vas dans une salle, il y a une porte ouverte à droite, tu vas dans la porte de droite, tu vas dans une autre salle, tu arrives, porte de gauche. Il y a pas de labyrinthe, tu n'as pas le choix de moment d'une porte. Bon, on verra si on aura le temps de repasser dessus. Moi je pense que je le finirai et je pense que tu vas le il n'a pas autant que marché que ce qu'il voulait de toute façon. Ah bah il s'est planté. Luminous Production n'y a pas survécu. Mais le truc c'est que ce qui est étonnant c'est que ce soit un jeu japonais qui essaye de faire le jeu occidental. Ce que je trouve étonnant c'est qu'ils aient misé autant là-dessus. Et vraiment ils sont partis sur l'idée d'un open world à la japonaise par l'équipe de FF15 mais ils savaient pas comment le remplir. Alors je me fais peut-être une fausse idée parce que je suis qu'à 8 heures de jeu, mais enfin 8 heures, tu commences quand même à avoir un truc un peu plus précis. Et si la mécanique te plaira surtout. Ouais. Et bon. Et ouais, en fait, c'est pas. Tu as terminé toi ? Non, pas encore, mais. On a combien d'heures ? Parce que les jeux de 180 heures là, ça suffit. J'en suis au moins. Je crois qu'il dure une vingtaine d'heures. Ouais, je dois arriver aux deux tiers du jeu, je pense. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Voilà, il y a d'autres jeux dont on aurait aimé parler. Forcément, on va devoir un petit peu accélérer. Je sais qu'il y a Kirby qui est sorti, qu'on a reçu, qu'on n'a pas encore eu le temps d'essayer. Peut-être que je reviendrai en mars, parce que moi, je vais être un peu, non pas obligé, mais je vais passer du temps sur Kirby avec ma progéniture. Il y a Grim Guardians. C'est pour le bingo. Grim Guardians en Metroid, oui, pour le bingo. Ouais. Grim Guardians, un Metroid jouable à deux en coop. Ouais. On aurait peut-être pu vous proposer dans son Mimassen Combo, on verra. Il y a peut-être un jeu aussi sur lequel on reviendra, c'est Fitness Boxing Okuto no Ken. Oui. Ah, mais qui oui. Surprenamment sort en France. Ouais, c'est vrai. Étonnamment, voilà, qui est, lui aussi a fait l'objet d'un petit Mimassen Combo, donc vous pouvez retrouver dans l'onglet vidéo sur le YouTube de Tsumimasen Turbo. Enfin voilà, il y a eu tellement de jeux et tellement de temps à consacrer. Ouais, vraiment, on sait plus quoi faire. Et moi, par exemple, il y a Power Wash Simulator, il y a le DLC FF7 pour laver la moto de Cloud. Ouais.
Si vraiment, genre, on a, t'as pas le. Si t'avais, si, genre, un autre si, affaire. Si, si, t'avais, si t'avais encore du temps à perdre, voilà. Si t'avais pas 692 chansons de Terrorism ouais. à faire. C'est vraiment un mois. Et en plus, je regarde ce qui arrive. Je regarde le mois d'avril et surtout le mois de mai. Il y a Zelda qui arrive, ensuite il y a Final Fantasy. C'est genre, on va pas dormir. Hein. Resident Evil 4. Regarde, on a même pas, ouais. pu, pas, on a ouais. même pas eu le temps de regarder le Tales of. Tales of. Alors, j'ai pu le lancer, mais j'ai pas encore vu les vrais problèmes de frame rate. Mais non, pas encore, parce que je l'ai lancé qu'une heure, une heure et demie. Tales of Symphonia, donc remastered sur Switch, parce que c'est la version Switch qui visiblement pose vraiment de soucis. Et pour l'instant, je suis pas arrivé dans les zones où ça rame, ni dans les zones où les loadings sont infernaux. Mais bah, j'ai plutôt été surpris en. Bien pour l'instant. Tu es le seul au monde à dire ça, mais j'admire. Par les retrouvailles, on va dire. Par le côté... Tu t'attendais à ce que le jeu ait beaucoup plus vieilli que ce que tu as vu. Ouais, en tout cas, qu'il soit moins agréable sur l'aspect feeling des combats. Voilà, c'est juste ça. Après, bon, il a vieilli, les labyrinthes, c'est. Voilà, c'est comme d'hab, les boyaux. Les boyaux typiques des Tales of de cette époque-là. Bon, bah, c'est normal. Hein, c'est les limitations de l'époque aussi. C'est un jeu qui a quand même 20 ans. Hein. Faut-il le rappeler. Et 20 ans. Ah ouais, ça a 20 ans. 2003 sur GameCube au Japon. Ouais. Et c'est vrai que la version GameCube tournait à 60 FPS, et celle-là, comme elle est dérivée de la version PS4, elle tourne à un framerate divisé par 2. Et le framerate, comme dirait Daniel, c'est important. Voilà. J'ai dit ça un jour ? Ouais. Bon, allez, très très vite fait. Alors, très vite fait, façon de parler. On va passer sur l'actualité, un petit tour du jeu vidéo japonais. Voilà, aujourd'hui même, on l'a appris au moment de l'ouverture. Enix, c'est un nouveau chat show. Ouais. Voilà. Ce n'est plus Yosuke Matsuda, c'est Takashi Kiryu. Et il nous donne vraiment... Kiryu Takashi, pardon. Si oui, tout à fait. Ouais. Il nous donne vraiment les armes pour faire toutes les vannes pour 10 ans. Ouais. Kiryu-san. Squeenie bah, et Gotoku. Et alors, j'étais en train de ironiser sur le Twitter de Sumimasen Turbo en disant peut-être que le plan des NFT n'a pas fonctionné auprès de Matsuda, mais étant donné que Takashi Kiryu, Kiryu, prénom, Takashi, oui. Nom de famille, et est un ancien de Dentsu, donc la grande agence publicitaire qui est entre autres Maiguiri, est spécialisé dans les NFT, et visiblement, bah, je pense que c'est un petit peu un des... Il va être supporté en l'héritier. Il va peut-être se dire, ah, mais on n'en a pas fait assez. On n'en a pas fait assez, c'est pour ça qu'on s'est planté. Qu'est-ce que c'est que ce live-live ? Changez-moi ça. C'est sûr, quand on sortant Valkyrie, Elysium, live-live, Star Ocean, enfin tous ces projets un petit peu mineurs qui n'ont pas forcément Arvestella. Un succès, Arvestella. Arvestella qui va être mon jeu de passe-temps. Oui, le jeu de la rédemption, visiblement. Ouais, franchement. Tout le monde le kiffe. Non, mais franchement, Arvestella, je pense qu'il a potentiel d'être. Justement, on parlait Forspoken, je machin. Je pense que ça sera Arvestella qu'on va réexplorer dans 10 ans en se disant « Ah, c'était pas mal, en fait. » Tu veux dire que c'est le Nier Automata de 2023 ? Non, Nier Automata était un classique dès sa sortie. Le Nier Répliquant. Voilà, ça sera le Nier Répliquant. Je pense que quand Arvestella Automata sortira, on verra bien. Allez, on rappelle, donc il s'est passé pas mal d'événements entre le pas dernier Sumimasen Turbo et... Ah bah oui, si, peut-être Jingle. Jingle News ! Ah pardon, excusez-moi. Petit Jingle. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, je le disais avant la petite coupure, avant le petit jingle, il s'est passé pas mal de choses, pas mal d'événements, notamment le Nintendo Direct. Alors, Direct, c'était il y a quelques semaines, donc on va pas forcément revenir sur tout ce qui est passé durant le Nintendo Direct. Juste rappeler que bah, voilà, la Switch qui fête aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est 6 ans d'existence, le jour de l'enregistrement. 122,55 millions de consoles déjà fin décembre. Donc, c'est pas mal. C'est un petit succès. Ça fait juste la troisième console la plus vendue de toute l'histoire des consoles, portable incluse. Donc ça continue de marchoter, effectivement, et puis bah, pas trop tard. Regarde, t'as vu, l'herbe, elle est bien verte. Ouais, comme bah, on va la retrouver, cette herbe verte et ces armes. D'ailleurs, on ne sait toujours pas où est-ce qu'ils sont pas trop positionnés sur le trailer. Ils n'avaient pas envie d'avoir des tweets assassins du compte Sumimasen Turbo. Tears of the Kingdom n'est pas retardé, il sortira le 12 mai. Il aura son amiibo, son édition collector, tout ce que vous aimez, tout ce que vous voulez. Pikmin 4, lui aussi, sera désormais daté. Il arrivera le 21 juillet avec son Pikmin de glace, avec son... chien, avec des petits trucs comme ça. Donc Nintendo a toujours de la ressource. Hein. Il y aura même le jeu de mode. Oui, souvenez-vous, Fashion Dreamer. Oui. Bien, de la maison du style. Bah, maintenant, ça s'appelle Fashion Dreamer. C'était un gros succès, la maison du style. Mm. Ah oui, succès énorme. Là, désormais, on part chez les influenceuses. Et évidemment. Il faut aller à la pêche au like, comme nous, en fait. Voilà. C'est plus simple. La cloche, tout ça. La cloche, tout ça, ce n'est la cloche. Abonnez-vous. Et mettez des jupes violettes et des hauts ocre. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Non, les petites surprises, c'était les retours des franchises qu'on aime bien. Alors, il y a Samba de Amigo qui a ouvert le truc. Samba de Amigo, partie centrale. De nulle part. Ouais, c'est incroyable. Du Diable Vauvert. Il y avait une version Wii il y a très longtemps. Yuji Naka n'aura pas ses royalties. Des DLC. Il n'aura pas son nom au générique. Bon, évidemment, sans les maracas, c'est peut-être moins marrant. Mais en tout cas, il va ressortir. Je suis pas d'accord parce que justement, les
comment dire, les Joy-Con, ils ont la forme, tu vois, et puis ils sont, libre et tout, enfin, je pense que ça peut être pas mal. Dans la catégorie remaster, donc Baton Kaitos 1 et 2 en HD, ça c'est plutôt cool parce qu'on les réclamait à corps et à cri. Là aussi, hein, Baton Kaitos, il a bientôt 20 ans, donc ça tombe bien qu'il revienne. Et en plus, c'est un super jeu. Et en plus, il y a même la prequel, puisque Baton Kaitos 2, alias Baton Kaitos Origins, n'est pas sorti en Europe. Je me demande si les gens vont pas le trouver un peu raide aujourd'hui. Baton Kaitos, quoi, le jeu, non, mais c'est super. Hein. Ouais, bon. Ah non, mais surtout le scénario est tellement bien que ça donne envie. Et puis il y a du Ghost Trick, parce que oui, Ghost Trick. Le retour de Ghost Trick. Alors le retour des grandes gloires, un peu du début des années 2000, genre les jeux que tout le monde avait, dont tout le monde avait entendu parler, mais auxquels personne. Ghost Trick, le truc, c'est qu'il est jouable sur iOS. Enfin, il existe sur plein de versions. Hein, ça va être. Ouais, là, il va être remis au goût du jour, notamment d'un point de vue graphique, même si de toute façon les animations étaient tellement stylées à la base que ça va être toujours aussi impressionnant. Et en plus, c'est un super jeu Takumi Shu, quoi. Ouais. Takumi, le créateur de Ace Attorney. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'annonce de l'arrivée des jeux Game Boy, Game Boy Advance. Alors, Game Boy pour. Dans le truc en ligne. Dans le Switch Online. Game Boy Advance pour le Switch Online pack additionnel. Donc, ça, c'est plutôt j'ai cool. J'ai joué à Gargoyle's Quest. Gargoyle's Quest. Et ah, sur... quel grand jeu. Et tu sais quoi? Avec le Rewind, j'ai compris que. Ah, en fait. Rewind, c'est pas si mal, ça que t'es en train de me dire? Surtout, j'ai jamais fini le premier niveau, en fait. Ah là là, mais si, c'était tellement. C'était un grand action RPG, Gargoyle's Quest. Ouais, moi, j'ai jamais vu. À quand le retour de Gargoyle's Quest? Moi, j'ai jamais vu la suite, moi. Tu vois, j'étais coincé. Adrian Odyssey Origins Collection, voilà aussi. Alone in the Dark, vraiment pour ceux qui voulaient Alone in the Dark. Ah oui, c'est la compilation. Alors par contre, c'est 80€ si tu veux l'intégrale, puis ils seront de Adrian Odyssey. Ouais, sinon ils seront vendus séparément 39,99€. Mais quand super même. Jeu et musique extraordinaire de Yuzo Koshiro. Je pense que c'est le meilleur Yuzo Koshiro classique Heroic Fantasy. Et on a même eu un petit retour dans ce Nintendo Direct. C'est la présence de Level 5 qui fera son Level 5 Vision. Retour là aussi son propre le salon. Phoenix. Le Phoenix qui renaît de ses cendres avec Decapolis. Alors on a vu passer Fantasy Life et Professeur Layton, mais il y aura également un projet inédit. Decapolis. Ça a l'air super. Voilà, entre monde réel et virtuel, puisque les crimes, les souvenirs des crimes dans le reste rémanent dans le monde super virtuel. On va y jouer 10 heures, on va trouver ça super bien en 10 heures et on va. Comme d'habitude. Lâcher l'affaire parce que ça a l'air plutôt pas mal. Ils ont l'air d'avoir un truc, petit peu de budget. Et ça, j'ai fini. Megaton Q. C'est vrai. Megaton Musashi X. Pas de Nintendo à le 3 2023. Gratuitement. 23. Bon, ça c'était passé tout, sauf une surprise. Mais voilà, le 3 2023, on sait de toute façon que le 3, les éditeurs n'ont plus forcément envie d'y être. Mmh. Mais quoi qu'il arrive, on aura encore un événement Nintendo. Il y aura un Nintendo Direct. Comme d'habitude. Et au Japon, il y aura des trucs, c'est sûr. Ça, c'est le genre de news, on les commande chaque année. On dit, il n'y a pas de Nintendo. Bah oui, comme d'habitude. Et voilà, voilà. Et ils auront leur petit truc. Au moins, on l'a dit. Ce n'est pas Nintendo, mais c'est quand même pas si éloigné. Le Pokémon Presents a également eu lieu avec l'annonce d'un DLC. On y était. On y était physiquement. C'est vrai. Pour Pokémon Écarlate et Violet, ça s'appellera le trésor enfoui de la zone 0. Ça sortira d'abord cet automne et cet hiver en deux volumes, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait pour Épée Bouclier. Tout à fait, bah, c'est le modèle qui a fait ses preuves. Et c'est de la moula gratuite, donc pourquoi pas cousin, avec une nouvelle région qui s'appelle Septentria, un échange scolaire à l'Institut Myrtille. Que de choses passionnantes de nouveaux Pokémon, puisqu'il y en aura quand même plus de 230 au final qui vont rejoindre. 230 anciens Pokémon qui n'étaient pas présents dans plus Écarlate des nouveaux et légendaires, non Ouais, tout à fait, la totale, bref. Là encore, le modèle épée bouclier va faire des belles rentrées d'argent. Pokémon Sleep. Sleep. Alors d'ailleurs, il pourrait, parce qu'après le Pokémon. Bah, c'est vrai que là, actuellement, je porte un slip Pokémon, sachez-le. Voilà, Pokémon. C'est oui, c'est vrai. Ouais, Frigate. Voilà, avec Ronflex, complètement. Pokémon Sleep, une appli censée vous aider à mieux régler votre sommeil. Je suis très très curieux. C'est vraiment pour toi. Non, je suis très très curieux parce que l'intérêt, c'est de ne pas mettre quelque chose sur soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des montres connectées qui. Essaye plus ou moins de surveiller ton sommeil. Là, c'est différent. En fait, il faut lancer l'appli au moment où tu te couches et il va déterminer quand est-ce que tu dors en écoutant ta respiration. On s'est tout de suite posé la question de qu'est-ce qui se passe quand tu dors à plusieurs. Tu vois, par exemple, s'il y a deux ou trois enfants par chambre ou si tu dors en couple, etc. Est-ce qu'il arrive à... Parce que on ne sait pas jusqu'à quel point la technologie est avancée, mais c'est assez intéressant de savoir jusqu'à quel point ça fonctionne, parce qu'on en avait déjà parlé ensemble. Moi, j'avais été un petit peu déçu par le Pokémon pour se brosser les dents, puisqu'il ne détectait pas les brosses à dents électriques, qui sont censées quand même être meilleures que le brossage normal. Et du coup, mon fils était pénalisé, parce qu'il lui disait « Mais bouge, brosse mieux que ça !» Et du coup, il a abandonné au bout d'une semaine. Et parmi les différentes infos du Pokémon Presents, on a eu droit à la petite série Netflix en stop motion, ça s'appellera La Réceptionniste en français. Bon, on verra là encore ce qui lancera
Le State of Play, il y a eu également pas mal d'annonces. Alors, t'as oublié de parler du Pokémon Go Plus Plus. C'est vrai qu'il y a eu le Pokémon Go Plus Plus, qui est un petit porte-clés payant Bluetooth qui permet à la fois de. Oui, parce qu'il y a le Pokémon Go Plus qui est sorti avec Pokémon Go, et là c'est le Pokémon Go Plus Plus qui est compatible à la fois avec Pokémon Sleep et avec Pokémon Go. Qui, voilà, je pense que je vais me le payer parce que c'est un truc qui aspire directement les Pokémon. T'as pas besoin d'appuyer comme sur le Pokémon Plus normal. Non, mais c'est vachement bien quand tu te balades en trottinette électrique ou quoi, tu aspires tout ce qui passe. T'es pas obligé de t'arrêter en regardant si t'as pas loupé un truc. Donc voilà, moins d'accidents de la route. Public urbain et... Ah bah, de toute façon, si tu joues à Pokémon Go à la campagne, c'est compliqué. Donc le State of Play, on a surtout parlé baston. Capcom est revenu à présenter Zangief, Kami et une nouvelle combattante dans Street Fighter 6 qui appartient à la même tribu que celle de T-Hawk. Voilà. Street Fighter 6, tu es toujours mouif ? Ah non, moi je crois à Street Fighter 6. C'est juste que j'ai toujours une grande méfiance dans les jeux de baston avec les personnages qui se battent avec des armes, en fait. Ah oui. Tu vois, c'est de mais, comme mais, Omaru dans KOF 15. Voilà, Omaru dans KOF 15. Mais même à Omaru dans SNK versus Capcom 2, ça m'horrifiait. La modélisation de Zangief, mais tout comme j'aime pas Whip dans KOF, tu vois. Ma limite, c'est Billy Kane. Ouais. Voilà. Ils ont ressorti le légendaire générique Hitoshi Sato de Street Fighter 2 The Movie pour accompagner le trailer japonais de Street Fighter 6, et ça nous a fait vibrer, ça nous a rappelé les meilleurs passages de karaoké. Alors je sais pas si on pourra on mettra pas les paroles, on coupera la musique, mais en tout cas on va se faire striker. Street Fighter 6 qui sera évidemment au programme de l'Evo avec Guilty Gear Strive, avec Dragon Ball FighterZ, avec Tekken 7, KOF 15, Melty Blood, Mortal Kombat 11 Ultimate. C'est cet été, c'est ça? Et c'est cet été à Las Vegas. Tekken 8 aussi, non? Et alors, ils ont annoncé Tekken 8, mais je crois pas que Tekken 8 il est avec Chipotle, tu vois. Mais pas de Tekken 8 à l'Evo pour l'instant. Par contre, Tekken 8, la communication est lancée. Là, on voit Kazuya Mishima, on a vu Jin Kazama, on a vu Nina Williams, et on a surtout vu 36 minutes de vidéos consacrées au gameplay en présence de Katsuyo Harada et Koei Ikeda. Il est super leur... Et on est vraiment rentré dans les détails. Ouais, le jeu s'annonce beaucoup plus agressif, beaucoup plus dynamique. Tu pourras même récupérer la vie que tu as perdue un petit peu à la Bloodborne quand tu attaques l'adversaire. Donc voilà, on rappelle, un Tekken, c'est quand même 54 millions de jeux vendus. Et oui. Dont c'est 10 millions pour Tekken 7. Non mais c'est monstrueux. Entre journalistes, entre professionnels du jeu vidéo, entre amateurs éclairs, etc., c'est... Street Fighter, mais le jeu de baston le plus vendu dans le monde, ça reste Tekken, parce que c'est le plus accessible au très grand public, qui a été finalement initié à ça à l'époque de la PlayStation. Bandai Namco, qui était là également avec Naruto Ultimate Ninja Storm Connections, qui sortira courant en 2023, qui va relier les Ninja Storm eux. Les fans de Naruto ont 30 ans, ils ont de l'argent. Voilà, 124 persos jouables, sans compter les nouveaux qui vont arriver au compte-gouttes. Ça fait peu. Et la différence, c'est que celui-là tournera à 60 FPS sur nouvelle génération. L'autre événement de cette semaine, la semaine où nous tournons, c'est les previews de Final Fantasy XVI. Mmh. Et oui, ça y est, on a enfin un premier aperçu de FF16. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo d'Atomium qui présente en détail le système de jeu avec l'alternance entre les différents... Moi, de toute façon, je suis client dès le départ, à partir du moment où c'est très action RPG, avec un action RPG dans la bonne vibe, avec la qualité de production de Final Fantasy, mais ça, pour ça, il faudra le vérifier sur pièce, et ce sera le 23 juin prochain. Ouais, 22 jours au Japon, 23 jours Un ailleurs. Mois après Zelda. T'as un mois pour faire Zelda. Expliquons, je pense qu'on n'a pas eu de preview parce qu'on est trop jeune en tant que média. Ouais, on est une petite chaîne, mais je pense que, gageons qu'on essaiera de faire le forcing. Ouais. Je pense que sinon, je vous raconte la fin. 11 heures de cinéma. Oui, on vous spoil la fin. 11 heures de cinématique quand même sur 35 heures annoncées de jeu. Alors le double, si tu fais l'intégralité du truc. Oui, c'est toujours pareil. Ça parle beaucoup parce qu'il faut mettre l'histoire en place, etc. Ouais. Mais si tu prends le temps de ramener toutes les chèvres du paysan, etc. Alors apparemment, justement, il n'y aura pas trop de side quest un peu récréative. C'est pas trop side quest, il n'y a pas de jeu de pêche. Ouais, visiblement pas de jeu de pêche. New Game Plus, en revanche. Alors est-ce que tu penses que JRPG est un terme qui te... Un terme péjoratif, tu veux entrer dans cette polémique-là? On la réservera peut-être à une prochaine émission. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'interviews, notamment de Yoshida. J'ai envie de te dire que Takahashi disait ça il y a 10 ans, il disait JRPG, c'était un terme. Takahashi, le créateur de Xenoblade, disait oui, c'est vrai qu'on nous a catégorisé, on nous a catalogué JRPG, et nous on trouve ça un petit peu péjoratif, nous on fait des jeux de rôle et pas forcément J. Et c'est là que tu vois que la communication passe mal, et d'ailleurs j'en profite pour parler de ça à tous nos amis communs qui nous écoutent et qui sont dans l'industrie du jeu vidéo japonais.
On les embrasse. Ce qu'il faut voir, c'est que quand cette polémique a éclaté il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, les réponses étaient vraiment dithyrambiques. C'est-à-dire que la grande majorité des gens qui disent JRPG, parmi les usagers, et c'est toujours l'usager, le joueur final qui compte le plus, pour eux, non, moi je dis JRPG parce que justement j'adore ça. Et que pour moi, JRPG, alors ça va être synonyme d'histoire dramatique, synonyme de musique incroyable, synonyme de système de combat délirant, synonyme de design fou. Enfin, c'est justement une catégorie à part parce que entre un Tales of et un Dragon Age, il y a un océan. Et cet océan, il est symbolisé par le petit J de JRPG qui sont vraiment un genre de jeu à part entière. Donc, bien qu'au Japon, les genres sont assez différents. Hein. Tactics RPG, voilà. On dit Simulation Games, tout simplement. Et donc, au Japon, je pense que les créateurs japonais n'ont pas eu cet écho. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les créateurs de jeux vidéo japonais, quand ils partent à l'étranger, ils ne se baladent pas dans la rue, ils ne parlent pas aux gens. C'est-à-dire qu'ils débarquent de l'aéroport, il y a une bagnole qui vient les chercher, qui les emmène à l'hôtel. De l'hôtel, on les emmène dans une salle, quand ce n'est pas à l'hôtel directement que ça se fait, où on tourne les journalistes, paf, paf, paf. Ensuite, il y a un taxi qui les emmène au restaurant. Ensuite, il y a un taxi qui les emmène soit dans une salle de concert, soit dans une salle de cinéma où ils font leur petit événement avec les fans. Après, il y a une séance de dédicace. Mais la séance de dédicace, c'est « Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Ok, merci, tchac, tchac, hop, personne suivante. Ils n'ont pas le temps de parler avec des vrais gens. Et du coup, pour eux, JRPG, ils ont l'impression que ça les ostracise par rapport aux autres créateurs. Alors que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est les fans de ce genre de jeu qui disent « Ah non, non !» Moi, je ne joue pas à des trucs Bethesda ou je ne sais pas quoi. Moi, je joue à des JRPG parce qu'il y a des ninjas à cheveux roses et c'est vachement bien. Ou parce que les systèmes de jeu tri-linéaire, motion, battle, plus, voilà, c'est ça qui me fait kiffer. Et donc, il y a une vraie fierté à jouer aux JRPG. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Mmh. Et c'est vrai qu'à une époque où, justement, les créateurs japonais, notamment sur tout ce qui est gros budget, vont être encouragés par leur hiérarchie, par leurs actionnaires, à vendre au maximum dans les marchés occidentaux, parce que c'est là aujourd'hui, on le voit, que ce sont les plus grosses ventes, ils réagissent en disant « Ah, mais si on est ostracisé, JRPG ?» Tu vois, il y a encore ce traumatisme des années 80 où, aux États-Unis, on brûlait les usines qui faisaient des voitures japonaises. Non, non, pas du tout. Il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent du divertissement japonais et ils ont peur que en mettant comme ça, en apposant des noms, genre ça c'est un JRPG, ah bah si c'est un JRPG, j'y touche pas. Non, au contraire, les gens qui appellent ça JRPG, déjà le très grand public ne sait pas ce que c'est qu'un JRPG. Tu vas voir la petite dame qui va acheter son jeu chez Micromania parce que son fils lui a demandé ou quoi, elle sait pas ce que c'est un JRPG, elle va acheter Final Fantasy parce qu'on lui a demandé Final Fantasy. Donc le très grand public que ces gens-là essaient de toucher, parce qu'aujourd'hui, vu les millions de dollars que ça coûte de développer les jeux, bah il faut les rentabiliser sur tous les marchés. Ils ont peur qu'en disant « Ah, c'est des JRPG, les gens ne vont pas les acheter. » Au contraire, c'est les JRPG que les fans de JRPG veulent acheter. Mmh. Et derrière, le très grand public, de toute façon, il va acheter Final Fantasy parce qu'il y aura la pub à la télé et que c'est très joli. Pour moi, c'est une non-polémique. Très bien. J'encourage donc nos amis qui nous écoutent et qui font partie de l'industrie au Japon à... comment dire ? Alors, traduisez pas tout ce que je viens de dire non plus, mais parce que ça va être long. Mais en tout cas, voilà... La manière dont les consommateurs, je parle vraiment des consommateurs, perçoivent le JRPG, il y a ceux qui s'en servent pour dire « Ah non, ça va pas me plaire parce qu'il va y avoir des femmes chats, des machins. » Mais il y a surtout beaucoup de gens qui disent « Fièrement, moi, je suis un joueur de c'est JRPG. » C'est ça que j'ai envie de jouer. Mmh. On enchaîne avec le succès ahurissant de Elden Ring, petit jeu que pas trop passé inaperçu. 20 millions 20 millions d'Elden Ring. Et enfin, l'annonce du DLC qui aurait pu intervenir à n'importe quel moment, mais je sais pas, c'est intervenu là. C'est quand ils veulent. Oui, c'était vrai qu'on fêtait l'anniversaire du jeu, qui est sorti le 25 février dernier, donc c'était peut-être une bonne raison, même si l'annonce était un petit peu décalée. 20 millions d'exemplaires. Moi, je voulais juste une raison d'y retourner. Voilà. Il a obtenu le DICE Awards parmi les différents prix les plus prestigieux après le Game Award de l'année, souvenez-vous, avec l'intervention derrière d'un intrus. Et voilà, l'ombre de l'arbre monde, Shadow of the Earth Tree, sortira bientôt. Et l'annonce a été voilà, plus de 100 000 RT, 10 000 replies, 400 000 likes. J'en profite pour rappeler que chez notre sponsor sort très bientôt le manga officiel de Elden Ring qui est hilarant. Très bien. Et juste un truc, c'est que From Software, pour l'instant, c'est les meilleurs DLC de tous les temps. Les DLC de Bloodborne et. C'est vraiment... C'est 20 millions de sans éclat. J'en fais totalement confiance pour faire relancer complètement le jeu là-dessus. Il y a un jeu dont on aurait pu parler dans le Famitsu Mimasen, c'est Hi-Fi Rush qui a cartonné.
Alors, bah non, j'ai pas, comme j'ai vous joué. Y avez joué, j'ai pas pris le temps d'y jouer. Parce que je me suis dit, il faut faire un tri. Tango Gameworks. J'y ai joué, j'ai adoré. Tango Gameworks, qui sera orphelin de Shinji Mikami, puisque le créateur de Resident Evil qui avait créé ce studio après ses multiples départs, notamment son départ emblématique de chez Capcom, studio fondé en 2010, eh bien, à 57 ans, il a décidé de quitter Tango Gameworks et de le confier à ses. Sans doute les sirènes d'une autre société plus, qui lui donnait beaucoup plus d'argent. Peut-être. Je ne sais pas. C'est pas un homme d'argent. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il n'est pas allé... Est-ce qu'il a un dernier combat ? Il a dit qu'il lui restait un jeu à faire. Voilà, comme un petit peu Hideo Kojima s'était dit, fait cette réflexion. Combien de jeux il me reste encore dans la machine ? Ils sont potes, de toute façon. C'est vrai. Les deux. Et voilà, on créateur de jeux. On enchaîne également avec l'apparition du trailer, le premier trailer de Goldorak, le festin des loups. Voilà, enfin un trailer. Un jeu signé Microids, développé notamment en France par Endroad. Avec son collector qui a été annoncé. Bon, on n'a pas vu grand chose du jeu pour l'instant. Il y a pas mal de gens qui ont parlé de Dragon Ball Z Saga. Bon, je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais en tout cas, voilà, on aura l'occasion d'en reparler quand il sortira. Il est censé sortir dans le courant no de comment, l'année. No comment. Je trouve qu'ils auraient pu mettre au moins les bruitages. Il n'y a pas de bruitage de Goldorak en fait. C'est vrai, c'est un premier trailer. Et pour moi, c'est quand il n'y a pas les bruitages de Goldorak, c'est plus ça. Voilà pour l'essentiel des. Il y a la musique. En tout cas, il y a la musique. Il y a d'autres actus évidemment sur lesquelles on aurait pu passer, mais là, voilà, le temps presse. Je voulais juste peut-être revenir sur le fait que la plupart des éditeurs japonais étaient en train de rehausser les salaires. Oui. C'est une tendance de fond. Hein. Tous les éditeurs, que ce soit Bandai, Namco, Capcom, Koei Tecmo, Nintendo et désormais Sega, ont annoncé des hausses de salaire et puis pas des hausses de salaire symboliques, hein, vraiment. Parce que ça. C'est 35% carrément. C'était pas bien ce qui se passait. Ouais, deux raisons à ça. Ouais. Évidemment. Première raison, c'est évidemment d'éviter la fuite des cerveaux parce que tout le monde part en Chine. Hein, ça paye mieux. Oui. Et deuxième raison, aujourd'hui, il faut sécuriser les meilleurs ingénieurs pour avoir les meilleurs moteurs graphiques, etc. etc. Exactement. Et surtout qu'ils n'étaient pas payés juste. Ouais. On parle également on a beaucoup parlé de que les gens étaient vraiment très ric-rac. Ceux qui vivaient à Tokyo, en tout cas, étaient très ric-rac. On parle également d'une main-d'œuvre de plus en plus rare, tout simplement parce que le renouvellement de génération ne se fait pas non plus. Exactement. La hausse des. On parle aussi de la faiblesse de la natalité au Japon. Alors, on n'en voit pas encore les effets et ce n'est pas ça qui entraîne forcément par ricochet une hausse des salaires. Mais là, il y a eu une actu assez intéressante qui a dit que cette année, la mortalité était le double. De la natalité. De double de natalité, ce qui est quand même assez hallucinant. D'autant plus que. À profiter, c'est les dernières années de Tsumasen Tsubo. On a encore l'industrie qui est encore là. Nous ne sommes pas éternels, donc nous mourrons avec le Japon. Exactement. Voilà, pour l'essentiel de l'actualité, on passe rapidement à l'agenda des sorties, parce que le mois de mars sera rempli, mais je vais le faire très très vite. Vous ayez déjà fini tous les jeux de février. Voilà, et puis si vous avez un budget extensible aussi, parce que tous ces jeux-là, nous on a la chance de les recevoir, mais on sait très bien que pour faire le tri, ça nécessite quand même un certain investissement. Le 2 mars, donc c'est antérieur à la publication de Tsumasen Turbo, est paru Fitness Boxing Fist of the North Star, donc Octonoken. Traduit en français. Intégralement doublé en français. On peut l'annoncer ? Tsumasen Combo, peut-être qu'il sera diffusé ou peut-être pas encore, mais en tout cas, il arrive. Pas, non, on l'a fait pour rien, il sera pas diffusé. Où on voit Greg et Daniel bien comboter, boxer. On s'est éclaté. Rune Factory 3 spécial arrive également. Pour ceux qui aiment les jeux à la ferme, il y a eu Rune Factory 4 spécial. Et Raspoli. voilà, donc ça arrive le 2 mars, 3 mars, on a Void Terrarium 2 et Wolong Fallen Dynasty, là on voit Void Terrarium 2, je crois que t'avais fait le 1. Oui, j'avais fait le 1, qui était très mignon, un peu répétitif, mais vraiment mignon. 9 mars, on retrouvera la série horrifique Fatal Frame, dans l'adaptation d'un jeu qui n'a pas encore été localisé alors qu'il est. Bah il le sera. Il le sera enfin. C'est la kiwamisation des esprits. Exactement. Mask of the Lunar Eclipse était sorti sur Wii. Eh bien, il arrivera enfin. Il y a d'autres jeux que je ne vais pas forcément tous citer, mais peut-être un jeu Square Enix qui va arriver qui s'appelle Paranorma Sight, que vous avez peut-être oublié. Bah oui, parce qu'on l'a vu, si je me souviens bien, on ne l'a vu que dans le Nintendo Direct japonais. Ouais. The Seven Mysteries of Honjo. Alors qu'il est localisé. Il est localisé chez nous et c'est un visual novel. Il vient de sortir, non ? Visual Horror Horrifique qui sortira le 9 mars. Ah non, il va sortir. Voilà. 14 mars, on peut citer l'arrivée de The Legend of Heroes Trails to Azure, qui est la suite de... La suite de la préquelle. La suite de la préquelle, comment ça... Zéro, non, c'est bien Zéro, non, qui c'est qui, hein. Oui. Oui.
Zéro no Kiseki qui... c'est 0-1 no Kiseki. Que j'ai surkiffé pendant 30 heures, mais qui est quand même très très long. Et celui-là va encore rajouter 60 heures. Donc c'est quand même, il faut avoir le temps de tous les faire. On s'ennuie en ce moment. Ouais, on s'ennuie. 16 mars, bah là vous en êtes moqué quand j'avais fait la promotion sur le Twitter de Sumimasen Turbo, mais c'est Gekiso Benzareis Toilet Shooting Star, alias le jeu de cartes. Sur des chiottes, ouais. Tout simplement. Donc là aussi, on aura peut-être l'occasion. Histoire de ta vie. Si c'est vachement bien, oui, c'est vachement bien. On aura peut-être l'occasion d'en faire un soumis à cette combo. 17 mars également, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. C'est vrai. Encore Bayonetta qui revient. Bon, bah, mais sous une forme différente, ça peut être charmant. Hein. Rien à voir. Moi, je suis très pressé d'y jouer. Rien à voir. 23 mars, R-Type Final 3 Evolved. Oui, alors qui est le dérivé de R-Type Final 2, hein. Faut suivre. Et oui. Donc il reprend un petit peu. On n'a jamais vu autant de fins. Enfin, de R-Type, ouais. Grand Zella est de retour et donc avec de nouveaux niveaux et de nouveaux aéronefs. C'est charmant. Aéronefs. Charmant mais pas ouf. Ouais. Au Japon sortira Shin Kamen Rider Rambu dont on vous avait parlé précédent Sumimasen. Je pense que c'est acté. Ça combote. Je pense que c'est acté qu'on va comboter. On va comboter aussi au mois d'avril. On choisit pas les trucs les plus commerciaux, je peux vous dire. Mais ça, c'est pour ça que les gens nous aiment. 23 mars, ce sera la veille de la sortie de deux blockbusters japonais. Alors il y en a un que vous connaissez forcément, c'est Resident Evil 4. Là aussi, on vous réserve peut-être une petite surprise à ce sujet. Mais également Atelier Risa 3. Et oui. Et oui. Voilà, qui et je peux vous dire un truc, Hubert n'a pas peur de Atelier Risa. Voilà, Atelier Risa 3 qui semble pétri d'une bonne glaise et d'ambition. Voilà. Et 30 mars, enfin, ça ne sortira qu'au Japon, c'est Winning Post 10, alias la nouvelle version du célèbre jeu de Turf. De Tecmo. De Koei Tecmo. C'est pas mon jeu de turf. De Koei Tecmo, pardon. Ouais. Koei. Avec, comme d'habitude, le choix de la secrétaire, puisqu'on en est encore à ce stade de l'évolution du côté de Winning Post. Est-ce qu'on peut choisir un secrétaire? Peut-être. Moi, j'aime bien. Ouais, il faut vivre avec son temps, j'ai envie de dire. À l'époque où on allait au Tokyo Game Show, il y avait un endroit où il y avait des paris sportifs de course hippique juste en bas. C'était vraiment à regarder tous ces gens qui se pressent dedans. C'est assez fascinant, quoi. Je referme ma tablette. Ça y est, c'est fini. Ça veut dire que c'est fini pour ce Sumimasen. Vous pouvez arrêter de courir si vous êtes sur le tapis. Vous pouvez arrêter la vaisselle si vous êtes en train de faire les tâches ménagères. Ouais. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous avez vécu 3 heures en notre compagnie de Sumimasen Turbo. Et ce fut encore une fois un véritable plaisir. Merci, messieurs. Vous êtes prêtés à cet exercice. Et merci pour votre science infuse. On rappelle qu'on a encore plein de jeux de février à peut-être essayer l'un l'autre. Mars et... oui, oh là là. Vous avez vu, la liste de mars est surchargée encore, donc on va avoir beaucoup de plaisir et beaucoup d'actu à commenter. Déjà, on se retrouvera, je crois, début avril, si tout se passe bien, parce que vous prenez des vacances, vous partez à droite, à gauche, vous êtes des vagabonds. Oh là là, non, oui, non, mars, je suis pas en France. Ouais. Moi, je bouge pas. Donc voilà, on aura l'occasion de se retrouver également avec Hubert. Hubert qui va bientôt cutter voilà. Pour les éditions classiques. Voilà. Qui va garder. Mais on rappelle qu'il y en a un petit. T'as vu, là, il bug pas, Hubert. Voilà. Ah, il bug plus. Ah, oui. Ça y est. Ah, ouais, non, il bouge. Il est en c'est FPS, du robot. C'est les Daft Punk. On a des gâteaux pour toi. Voilà. Merci encore une fois. On se retrouve au mois prochain. On rappelle qu'il y aura des Sumimasen Combo pour faire la liaison d'ici là. Et bien, appréciez le jeu japonais sous toutes ses formes. Ciao à tous. Sayonara. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。